du coca pour te faire partir au bar. Et ne jacte pas si tu sais pas de quoi tu parles. Non, ferme-la avant qu'on te demande ce que tu vas. Aujourd'hui c'est l'été, je crois qu'il se fait tard. Les mômes se font taire et les jeunes sont fêtards. Les mecs sont aux aguets et dans les boîtes ils dorment pas. Ouais, ma petite barba, ils ont pas vu ton tarpé. Ouais, y'a que des tarpas, les choses sont à refaire. Pense avec ta vie, t'es baise avec ton beau air. Un début de soirée déjà assaisonné. En soi, même si j'ai bu, j'en ai assaisonné. Et oui, ces soirées t'amusent car l'alcool fait tomber les masques. Ouais, tu ne parles pas des masses, mais quand t'es bourré, tu démarques. C'est souvent vers la fin que je vois que j'ai trop teasé. Truc de dingue à quel point au bout de m'hypnotiser. Je sais que tu t'énerves si je lâche un soupir. Et que tu me caressais avant que je m'assoupisse. C'est vrai qu'on me critique parce que je t'insultais. Et depuis qu'on s'est quitté, c'est devenu un supplice. Ça ne fuit pas, c'est pas la mer à boire. Juste un whisky coca pour faire partir autre part. Même si je sais que tu ne fuis pas devant l'effort. Pourquoi veux-tu faire des choses si tu ne sais pas comment les faire? T'as tenté de kicker et on t'a dit de te casser. Mais tu rêves de dédicacer tes potes dans tes futures cassettes. Traité de bras cassés depuis l'époque des bacs à sable. Ils t'ont dit que tu serais pas stable quand ils ont vu que t'étais pas sage. Ils t'ont prédicté des passages. J'ai vu que t'étais pas serein. Que ce que tu veux dépasse le rêve. J'espère que ça te passera. Nos actions sont dictées par ce monde et le temps passe par seconde. En attendant, tu vagabondes. En attendant que les phases abondent. T'avances bout à bout, pas tout en coup, mais de but en but. Pourtant, t'as pu voir que partout dans ce monde tout était tabou. Pour ça, ta tête est tabou et que ta peau tapait ta peur. Quand t'as qu'on touche à ton cœur, tu détestes les contestataires. Tu es l'addict, dictateur. Aucune parole n'agit ton cœur. Des gens censés te dictateur, mais sans cesser, tu dictateur. Et tu t'adaptes au monde en tentant d'être stylé. J'essaie de le changer en un coup de stylo. Les gens font ce qu'ils veulent, ils souhaitent esquiver. Mais vu que tout s'équivaut finalement, qu'est-ce qu'ils valent? Allez, c'est parti. On va profiter de ces quelques instants d'avant-match pour revivre les matchs du Play des 3 castés sur ma chaîne. Et on commence sans plus attendre pour la division Major et le choc de cette poule opposant les AMX eSport Black aux Soulsearth eSports. En effet, le match du groupe A s'est soldé par une remontada des AMX. Menés sur le score de 5 à 2, ils parviennent finalement à renverser le cours du jeu en mettant 5 rounds de suite sur la carte de Clubhouse. Mention aussi aux deux équipes qui nous ont proposé un jeu très sportif et fort en rythme tout au long de ce match. Le Jackal qui arrive quand même à récupérer pas mal de bon timing et des erreurs. Côté AMX, 2v4, une nouvelle fois négocié pour l'AMX RS. Jésus et Jésus qui va pick. Non, c'est Luffy qui va pick dans cette moto, qui va faire tomber un premier joueur, le deuxième joueur qui va tomber sous ses balles. 2v2, 15 secondes de la fin. Sky qui va drop sur site et pourquoi pas plante. Esco à la cover. Sky. Ouais, ça va être compliqué. On sait qu'on est la position de ce joueur en tunnel et Jésus, justement, qui va aller tenter d'empêcher cette plante. On le voit pas. On va chercher Esco. Et reste plus que Sky. 1v1 maintenant. À négocier entre Sky et Luffy. On va voir son arme. Non, Luffy qui va décaler. On l'a vu. Et Luffy, non, Sky qui va en terminer. Et on va prendre directement le break d'entrée de jeu pour les Soulsearth. 2-0. Pour aller dire non et le détruire derrière Esco pour aller chercher un kill. Non, pour l'instant, reste dans sa church. Et on va plante pour Luffy. On va plante Esco. Et il est condamné à exploit. Jésus pour prendre pas mal de dégâts. Voilà la plante qui est amorcée par Luffy. On comprend pas réellement par où c'est arrivé. Il est haut pour faire tomber Jésus. Il est haut une nouvelle fois. Un beau préfet en tunnel qui va te connecter quand même sur Drizzy. Esco pour aller repick dans cette longue. Et il va se faire sanctionner par Stein. Il est haut. Terminé par Zaiko. Et la victoire des AMX sur cette remontada. 7 à 5. Allez, on continue sur le choc de cette troisième journée tant attendue qui a opposé les vainqueurs de l'édition Winter, Athen eSport face au Aoned eSport. L'équipe d'Athen qui continue sur sa belle lancée allant s'imposer sur le score de 7 à 2 sur Chalet, une de leurs cartes fortes du moment. Et c'est une belle victoire qui va accroître leur confiance avant d'aller entamer la Game War Assemblée de ce week-end. Ah, Jason, ils sont leur kitchen. Non, c'était Jock. Une seconde, on se regarde dans le blanc des yeux, c'est compliqué. Jnoski justement pour faire tomber un joueur par la verticalité. Jnoski une nouvelle fois pour faire un quad kill. Est-ce qu'on va aller chercher l'ace pour Jnoski? Ouais, si, on va clairement aller le chercher. Il faut prendre la formation. Non, Jason, tu vas lui coller une belle tête. L'empêcher de faire tout simplement son ace. Jason, 1v2, le joueur belge. Tu peux le faire. On va y aller. Les deux joueurs sont Babylon. Est-ce qu'on va tenter la plante? On va quand même tenter la plante. Speedo. Et Yeboy qui va lancer le boss E4. Non, ça va pas connecter. Jason, la plante qui va réussir. Non, et Yeboy pour en terminer. Les Athen qui sont sur leur seconde victoire dans ce groupe de LC. Allez, après la division majeure, on va passer en division mineure. Et on part directement dans le groupe B pour retrouver le match qui a opposé les Gen Z face à Team Solid. Sur cette rencontre sportive, on a eu le droit à un rythme endiablé des Solid sur Villa. Mais malgré ce gros tempo imposé par ces derniers, les Gen Z ont su rester strong et s'imposent sur le score de 7 à 5.
côté solide, on va faire une attaque assez frontale. On a sorti aussi la Ying pour Kuda. Oh, est-ce qu'on va faire un poste? Bon, on va y aller tout simplement, on va y aller. Frostmap qui va faire tomber directement GS derrière. On va mettre quelques balles. Akaoshi, pas du tout. Oh, Akaoshi au contact, ouais, il va aller chercher le smoke. Non! Derrière Grid, pour se débarrasser dessus, Apollo. On va faire tomber GS à la smoke, Koda de l'autre côté pour faire tomber Moki. On est déjà au contact de ce BP. On avance très rapidement. Apollo sera mis sous grosse pression et non, on va reculer. En statue, on s'avance, on est déjà en astro, on s'avance, on est astro, on est très solidaire tous ensemble, 2v4, avantage numérique pour les teams solides, c'est allé vite d'entrée de jeu, Polo mis sous grosse pression, on plante pour Koda, on plante MTC, 1v4 est déjà condamné au clutch dès le premier round d'entrée de jeu, en moins d'une minute, on met direct le gros tempo pour les teams solides. On va revenir, ici, on va faire tomber la knock, non, et Mino pour en terminer sur TMTC, Oshi qui a envoyé son C4, qui a fait beaucoup de mal à celui-là, il me semble. On va s'avancer une nouvelle fois, on va s'avancer. Oh, la belle smoke qui va forcer le jeu, la rotation, non. Oh, c'est compliqué pour toi-même, tu sais. Mino, qui a eu le temps de reculer et de se mettre un peu plus safe. Koda, et c'est smoke. Oh, il est vraiment en contact. Et va se faire push. Il va se faire push et Chambon pour aller récupérer Mino à la revenge toi-même, tu sais. Pour double revenge, il reste plus que Kaoshi. 1v3. Et on se push sur la gauche. Kaoshi. La plante qui a amorcé pour celui-là qui est même terminé à l'instant même. Sur son de retake pour cacher et de cloche 1v3. On est derrière son chaîne. On l'a pas vu, si on l'a vu, on va tomber sous les balles de toi-même, tu sais. Et Gen Z qui vont réussir à conclure 7 à 5 sur ce match. On va chercher une petite interview. Et on finit maintenant dans le dernier groupe de 7 minors pour un match opposant les Polonais de Sky face aux Espagnols de Wacken Mixers pour le groupe D. Les Espagnols, pourtant favoris, sont tombés face à des Polonais très strong et très organisés. La rencontre s'est soldée par une victoire 7 à 4 à l'avantage des Sky Esports sur Clubhouse. Ouais, 5v5, personne en cache, du coup, X. C'est replacé en master. On est tellement agressif. Oh, bon, mec, clairement agressif. On a entendu la prise de drone. Oh, du coup, on va y aller. Tout simplement pour Twix, il va chercher une belle agression sur Ethan. Un peu naïf là-dessus, l'espagnol. Du coup, on n'avait pas de cover aussi sur ses fenêtres. On va reprendre cette cache. Amikaz pour reprendre la position, mais est-ce qu'on a une cover? Oh, on a Gorach. Oh Gorach qui va se faire sanctionner justement par Twix. Twix qui va mettre un beau pré-fire sur cette fenêtre pour essayer de faire tomber Mikaz. On va tenter au pistol et on va pas le presser à le faire tomber. Oh, non contact. From et Twix on fire. Oh, nous derrière pour faire tomber Gomez. Astro sur Yakimatis pour la revenge et Twix pour aller chercher Mikaz. Les Sky ont remporté ce match 7 à 4. On va chercher peut-être une interview. Allez, c'est tout pour moi sur ce Rewind. On se retrouve sur les casts. Portez-vous bien et vive R6. Ça ne me montre pas. Défense des raids qui sera. Et qui voilà Kalea Kenevo encore une fois le double kill de ce joueur espagnol de l'Urum d'avant et Kalea qui va agresser encore le joueur thermite, le cut qui passe sur ce joueur Lonely et le préfire derrière qui ne passe pas. Il reste plus que Zerg. 1v4 et Kalea, trop chaud, tout simplement. Oh Billy, on récupère un free kill sur Kux, voilà.
Dommage derrière Kinners qui va faire tomber Arctic, on n'est pas du tout dans son match pour LFO. Kalash quand même qui va aller revenge. Cherche la revenge sur Kinners et Kalash qui va faire même un énorme double kill pour aller faire tomber Billy. Le joueur en forme. Côté Athènes. Oh ce push imminent, oh ce push imminent, oh ce push imminent, oh ce push imminent, mais Archer la marche qui vont complètement détruire l'attaque. Archer, double kill, Iron et Archer, oh lolololololol, ça c'est pour les plantes. Benzaï qui va chercher le feed, 3v2, Thomas qui prend beaucoup d'HP, Thomas qui prend beaucoup d'HP, Thomas qui prend... On s'est inséré pour ce que vient. On va refaire le... oui, la même oui, chose. Oh Oxa, il a joué à terre, il a joué à terre. Voilà qu'on a un pré-fire. Oh oui, et le beau travers de Tigral sur Tsuki, on l'avait vu ce joueur. Il sera mis sous pression. Attention, après son palier sur Ventrix qui a les cross et ouais. On prend un premier kill sur Return, un deuxième. Hello les BG, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Ce soir, nouveau match, match de mineur. Pas à l'habitude, on commence à avoir l'habitude. Chaque jour, on a des matchs. Du coup, on va retrouver les Grimdal face aux Fox Up Esports Black. Ça va être un match aller et retour qui vont se jouer en même temps. On va faire un petit tour rapidement de ce qui se passe, en tout cas sur cette mineur A. Le temps de présenter ses équipes. Le match qui aurait dû se jouer samedi avec les bugs Ubi, du coup, est reporté à aujourd'hui. En même temps que le match retour, le play des 6. Du coup, les Fox Up qui sont en tête avec 3 wins sur 3 matchs joués avec 9 points. Côté Grimdal, on est un peu plus en difficulté avec une seule win. Et un match annulé, du coup, plus une perte d'un point. Voilà, du coup, on se retrouve à la dernière place avec 2 points un peu plus compliqués pour cette équipe. À voir comment on va réagir ce soir sur les deux matchs. On a de quoi, en tout cas, de se rattraper et même de... de revenir à un point des Fox Up s'ils en gagnent les deux matchs de ce soir. Rien n'est joué encore dans ce groupe A. Du coup, on va faire un petit tour côté composition. Côté Grimdal, on va jouer avec Kaz, Nelo, Deadshot, Makaba, Lunar, Gunchy. Et là, qui va jouer en fait ce soir, Gunchy, à la place de qui? Je check tout de suite. Bonne question. Là aussi, Sei qui est là. Ok, j'ai pas encore la bonne composition à jour. En tout cas, ce soir, on va jouer avec Sei, Kaz, Makaba, Nelo, Gunchy. C'est Deadshot qui est pas là, il me semble. Tout ça pour dire que côté Fox Up, on va jouer avec Rivoz et Kizzy, les Belges, Buzzy, Fage et Sion. Princesse qui est là en tant que sub. Princesse qui est là en tant que sub. On va peut-être faire aussi un petit tour des ban maps. En tout cas, sur le premier match. On va jouer sur Egon, on l'avait déjà vu. Du coup, on a Grimdal qui a ban Chalet Club, Bank et Villa. Côté Fox Up, on a sorti Sky, Theme Park, Border Café, assez conservateur. Côté Fox Up, on a ban toutes les dernières maps qui viennent d'être ajoutées. Et normalement, en cas d'overtime, c'est les Fox Up. Qui sont à la défense. Du coup, on ira donc sur Oregon sur la première carte. On n'a pas encore la carte sur ce second payday. On check si vraiment on a vraiment toutes les bonnes règles à jour. On va check ça avec les équipes. Confirmer tout ça. En tout cas, les équipes, les deux équipes sont déjà dans le lobby, sont chauds, sont on fire. J'espère que dans le chat vous êtes aussi chaud. N'hésitez pas à pousser à soutenir votre équipe, sortir les couleurs vertes pour Grimdal, couleur orange pour Fox Up, couleur du renard. En tout cas, on a les bons paramètres sur cette game. On va demander aux équipes si elles sont ready.
va bientôt arriver. Ça va bientôt arriver en tout cas. Ready côté Grimdall. Ready. Côté Grimdall. Que pour l'instant, encore Fox Up. On va enchaîner. Hein. On va enchaîner ce soir. Allez, normalement, si on n'a pas de bug de Ubisoft, ça peut être good. Ah, n'hésitez pas à pousser votre équipe dans le chat, à même lâcher des petits pronos qui vous voyez en tout cas vainqueur sur cette première carte, sur ce Play Day 5, parce qu'on va enchaîner Play Day 5 et Play Day 6 ce soir. On rappelle. On va voir. Peut-être qu'on va rejouer une nouvelle fois Oregon. Pourquoi pas. On attend, du coup, les Fox Up qui attendent d'être ready. Le temps pour moi de faire un petit tour sur le déroulé de cette compétition. On le sait, non, je me suis trompé, on le sait que du coup, on est sur un groupe de 5. Les 3 premiers iront donc en upper bracket, le 4e en lower bracket et le 5e seulement est éliminé. Du coup, la distribution en playoff se passe de la sorte. Comme ça, on va dire les premiers arrivent en quart de finale d'upper bracket, les 2 troisièmes se retrouveront en 8e de finale. D'upper bracket, tandis que le 4e se retrouve en 32e de finale de lower bracket. On rappelle aussi que les skins acceptés sur les matchs compétitifs, en tout cas de LC, ce sont uniquement les skins eSport Régional et Pro League, et aussi les skins de base. Ça va de soi. Ok, bah nickel. Hop, on va y aller. On est ready. Pour les deux côtés, on va y aller tous ensemble les gars, HF HF. On est parti sur Oregon. Oula. N'hésitez pas à me faire un petit retour son aussi, par rapport à ma voix, la musique, en temps normal, le jeu. Si le jeu est assez fort pour vous, ou pas. Peut-être pas assez fort, je vais augmenter, je check un peu. Allez, phase de ban, du coup. Les Grimdall, qui vont ban en premier. Qui vont ban en premier. Sur cette carte. Et on va sortir un Jackal. Étonnant. Étonnant. On va du coup laisser le Thatcher. Pourquoi pas open. Peut-être que Fox Up. On va le sortir de son côté. En tout cas on a déjà choisi son opérateur. On va sortir le Thatcher. Voilà. Un ban en somme assez classique. Jackal Thatcher. C'est vrai que le Jackal. Pourquoi pas sur Oregon. Pourtant c'est pas une map si grande que ça. Le Jackal il peut être beaucoup plus impactant sur une villa. Ou sur. Sur une villa, chalet, pourquoi pas, ou même maintenant Sky ou Border, why not. Maintenant, on ne verra pas du tout d'opérateur espagnol sur cet Oregon. L'Amira qui va être de sortir et le Kaïd qui va être de sortie du coup. Bah, on sera pas forcé à jouer du Maverick, mais on peut le voir quand même de sortie sur ce match. Allez, on va partir directement en basement du coup. Pour les Grimdall, on va sortir le Castle, le Smoke Jäger, Maestro et Bandit. Est-ce qu'on va se faire un setup étendu côté Grimdall avec le Castle? On peut se tenir la meeting et se tenter des, on va dire des défenses assez... J'en perds mes mots, mais assez... assez ordinaire. Bah, pas ordinaire, mais assez... Voilà, vous m'avez compris. On va tenter Next Round du coup, je pense, notamment avec Gunshi et son Castle. Ça va aller ce soir, ne vous inquiétez pas. Allez, c'est parti, phase de prep. N'hésitez pas à soutenir votre équipe dans le chat. Donc on va se faire pas mal de trucs de rotation pour Gunshi et son castle. On va se fermer le bunker. Le bleu. Avec la porte Shaiko. Top floor. Ouais, on va se renforcer cette trappe à tic. Du coup, on va sûrement s'ouvrir des murs et des trappes en meeting. Ça, un petit renfou aussi, why not. Ah bon, on va voir comment on va proposer un setup. Voilà, c'est Gunshi, justement, j'en parlais. Il va se faire Nexon. Et qui va même fermer cette meeting. Ah, il vient pas fermer la porte banc, on va se fermer la porte. Nous, on l'a appelé AT. Allez, insertion pour les Fox Up. Esport Black, on a sorti le Maverick pour Kizzy et surtout... Justement, Kizzy qui va être directement au droning. On va voir que le bleu est entre guillemets free. Côté Revoz, on va se tenir pour l'instant les coupes
Côté meeting. Attaque assez frontale, côté bleu. Attention, attention à pas faire un gros push parce qu'on a Gunshi qui est quand même à une belle ligne sur ce bleu depuis la trappe. Mais je pense côté, côté Fox Up, on veut pas jouer cette défense étendue. On a la conscience justement de ces joueurs. Et attention à Reves qui ne s'avance pas trop. Non, il veut juste contrôler les backs. Why not? Why not? Why not? Faz qui est déjà bien avancé. Kizzy qui va s'avancer aussi avec son chalumeau. Pourquoi pas essayer de chercher les batteries de bandits. Allez, on va y aller à faire des trous au niveau des pieds. Et là, ça va être un peu compliqué par contre pour détruire un bandit. En tout cas, on a réussi à en détruire un. On va pourquoi pas ouvrir à l'Ace avec Phage. Ouais, intelligent. Intelligent, c'est qui va se retrouver dans une mauvaise posture. En tout cas, qui va rester au contact de cette porte élec. Prêt à se régresser, mais Gunshi qui a la bonne ligne. Ouais, complètement droné, on arrive à détruire ce drone de Flores, on va aller repick, le préfire qui aurait pu connecter sur Kizzy. Mais non, on n'est rien, toujours 5v5, 1 minute 30 à jouer, 1 minute 20 même. Et on reste bien sur nos positions, on reste bien sur nos positions. Mais attention à Revoz qui arrive tranquille bilou sur ce pilier. Et il avance en sneaky, et là ça peut faire mal, ça peut faire mal. Say, toujours, il va être vraiment le premier fer... de cette défense. Kizzy qui prend pas mal de dégâts la première grenade. Gunshi pour aller se débarrasser de Sion. Oh, ça essaye qui fait un beau double kill derrière qui va se faire revenge par Revoz. 2v4 du coup. Avantage numérique pour les Grimdall. Mais on est sur site. On va plante pour Kizzy. On va plante. Revoz à la cover. Oh, il va se faire découper par Gunshi. Gunshi qui arrive. Qui a du mal à ajuster et qui va terminer. Kizzy au shotgun. Les Grimdall en forme sur cette première défense. Leur défense étendue. On y va quand même assez fort et autoritairement. Côté Fox Up, on a voulu du coup quand même éviter ce setup étendu. On aurait pu passer dans un petit trou de souris. C'était un peu compliqué quand même d'y aller assez frontalement. Du coup, 1-0 pour les Grimdall et on va partir en Kids Bedroom. Need to locate and defuse as many bombs as they can. Allez, partir en Kiss Bedroom et le Echo doit être sorti des mains de Gunshi. Est-ce qu'on va avoir juste un setup entre guillemets basique avec la tenue de la tick, le stuff avec justement le Jaeger Wamai? Peut-être une tenue de ce trophée. On va faire des trous à tick trophée. À voir comment on va se défendre côté Grimdall. Hop ouverte, c'est basique. On va se renforcer complètement ce mur gaming. Ouais, le shield qui va être assez reculé. Nelo qui a encore son shield dans la poche qui pourra le placer. Makaba qui va nous faire un petit setup étendu en kitchen. Mais en tout cas, il va être seul. Il va être seul et seulé. Allez, c'est parti, insertion. Pour les Fox Up, Bogie et SH. Côté main, sûrement pour contrôler les retours par cette porte main et... Oh oh oh, Revoz. Revoz qui arrive assez fortement dans cette kitchen. Attention Makaba, attention Makaba, Makaba, il est clairement repéré. Ouh là là, il aurait pu se faire agresser. Revoz du coup qui s'est clairement annoncé avec sa batteuse, préfire en ping jaune. Ah, clairement l'information. Et Makaba pour décrocher une belle tête sur Revoz. On fait tomber la Finca avec deux grenades aussi. C'est très important pour la fin du round. Et est-ce qu'on va y aller en tout cas pour Gunshi, on l'a vu. Les trous de verticalité pour prendre cette porte verte. Intelligent, et du coup on va s'abstenir de rattaquer cette kitchen. Pensons là, on a aussi Bogie qui est en duel avec Sei. Sei, il faut pas qu'il repasse dans cette fenêtre escablant. On risque d'être sanctionné. Et le C, on va comme tenter un petit pré-fire. Non, mais on s'allonge toujours. On a un duel à distance entre ces deux joueurs. Ouais, et là, ça y est, il a peut-être un timing pour repasser. Puis on va rester sage. Et de l'autre côté, côté Fox Up, on va réussir à ouvrir la tique. Encore la position. Encore la formation de position du smoke. Et en armurerie. Oh, Bogie. Bogie, il peut faire mal. Il joue en électron libre et ça peut surprendre.
Elle a clairement la conscience de la position de ces deux joueurs. Il va prendre une belle tête sur Sei. Et non, Makaba pour aller chercher la revenge. Pas de double kill pour Boji. Mais 4v3, toujours avantage numérique. Pour les Fox Up, attention à Stein. C'est Yann plutôt. C'est Yann sur son rappel. Oh, Kizzy, ouais, il est déjà bien en attic, mais on a case. On a case pour lâcher quelques pre-fire, ouais. Sur cette trophée, phage. Et derrière. On voyait le forceps dans cette attique, ça va devenir compliqué. Sian qui met quand même pas mal de pression. Cette fenêtre attique, fenêtre kids, pardon. Et dans le déco, on a toutes les informations pour Fox Up, pour Grimdall plutôt. Ouais, on sait pas où lancer la grenade, on la lance. Hazardeuse. Allez, Fage, pour y aller, on va mettre quelques pré-fire. Attention, pas se faire sanctionner par derrière par le smoke. Non, le Canelo qui va rester sage. Kizzy justement, qui va tomber sous les balles de Nelo, il me semble, de quelqu'un d'autre. J'ai pas réussi à voir exactement qui c'était. Allez, maintenant on se retrouve en situation d'un V4 pour Sian. Ça devient compliqué. Oh, les Fox Up. On a culé dans cette attique. On n'arrive pas à récupérer Nelo. Et on va se faire terminer par Makaba. Et le break qui est direct mis d'entrée de jeu pour les Grimdall. De défense assez solide. À voir si on va tenir complètement cette double rotation défensive maintenant. Et là, on va partir en kitchen meeting. On préfère la kitchen meeting que la kitchen dining côté Grimdall. On va encore user de la verticalité et du castle avec Gunchi. Kaz qui va partir sur un Oryx. Pourquoi pas? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Allez, phase de préparation pour les Grimdall. On est bien en 5v5, hein. C'est un bug d'affichage en haut. Et Nelo, il peut pas repiquer le mute. Ouais, c'est un bug d'affichage pour Sei. Il est bien sur son Jaeger et non sur un Wamai into Jaeger. Allez, on va se faire une défense étendue. Jusqu'à l'attique, on est obligé de défendre cette zone. On va défendre aussi la kids avec quelques rotations, pas trop de murs par contre. De ce côté, est-ce qu'on va extend assez loin? Non. Allez, et côté Fox Up, on va refaire une attaque assez frontale, en tout cas assez unilatérale. Côté grande tour. Côté tout rouge. Allez, Rivoz. Sûrement l'assertion rapide une nouvelle fois. Oh, t'as le balayage des drones qui partent direct en vert. Est-ce qu'on va pas tenter un push rapide sur site? Un petit gun 6 sur site et ça peut faire mal. Non, on va aller prendre le contrôle de cette tour. Même du basement. Pour les Fox Up. Ouais, très mobile pour Rivoz. C'est intéressant. Oh oh oh, et on prend quelques dégâts côté phage. Ouais, c'était au niveau des pieds. Il me semble que c'était l'Oryx de Kaz. Bon, allez, contester cette zone, cette attique. En tout cas, l'attique, l'ouverture de l'attique est très important pour le contrôle de la trappe. Même si on n'a pas le contrôle, en tout cas, empêcher l'autre équipe de jouer cette trappe. Ouais, je pense que là, on va lâcher la foudre. Oh oh oh, ouais, Rivoz qui s'est inséré un peu trop facilement. Et Kaz qui joue. Joue à Worms. Ah, il est clairement repéré le préférieur. Oh, il va se faire sanctionner par Fox, par Kizzy. Par contre, Gunchi, ouais, qui fait un beau carnage sur cette verticalité. Une nouvelle fois, on va décrocher une nouvelle tête sur Fash. Cette fois-ci, triple kill pour le castle des Grimdall. Oh, il va mettre aussi des petits dégâts sur Boji. Oh, Gunchi, nouvelle fois, quad kill. Est-ce qu'il va aller chercher l'ace face à Sian? On n'a pas l'information de la position de la nomade. Et Grimdall on fire hein, sur ses trois premières défenses. Avec un Gunshi on fire aussi. Ouais, et là, côté Fox Up, on va les tempo. On va en profiter de cette déroute sur cette attaque pour aller reparler de ce qui n'est pas. Ce qui n'a pas été sur les trois premières attaques. Post-tactique. Ouais, une petite post-tactique, on va dire. Sur ce round.
Ouais, Fox Up. Côté, côté Grimdall, on reste quand même assez sage. On va pas aller chercher l'overpick. On va tenir des lignes croisées. Ah, je pense qu'on a quand même compris là que... c'est Yann ou Sion? C'est Sian ou Sion? Corrigez-moi dans le chat si je le prononce mal. Ou c'est Sion. Bref. Ça pour dire, Grimdall a mis le double break d'entrée de jeu. 3-0. Pour une Grimdall assez solide. Assez dommage pour Ganshi. Pour Ganshi. Pas pu aller chercher son ice. Ouais, et pour les Fox-Up qui sont en tête du classement, on se prend quand même une belle déroute sur nos attaques. Pourtant, on est en Oregon, c'est quand même un cas d'école où les attaques, elles passent de plus en plus souvent. Et là, Grimdall arrive avec quand même une grosse ambition ce soir. Et ça fait plaisir à voir parce qu'on les voit dernier du classement, mais ils ont quand même pas mal de répondants. Rien n'est fait, du coup, dans... Rien n'est fait, du coup, dans ce match. Et même dans ce groupe A, en général. Je vais vous donner une petite information. Je sais pas si vous l'avez eu, mais... Elon Musk rachète Twitter pour 44 milliards de dollars. Allez, petite information gratuite. Pendant que les Heroic se sont imposés face aux ex-Vitality sur l'European League. Et du coup, côté Grimdall, on va profiter de refaire la rotation complète des défenses. On va partir au basement. Une nouvelle fois, on va reproposer la même défense. Et là, à voir comment... comment les Fox-Up vont réussir à s'adapter face à cette nouvelle défense et ce setup une nouvelle fois étendu. Scala Meeting. On le sait, une attaque de frontal côté bleu, ça n'a pas marché. Côté Fox-Up, il faut réussir à varier et pourquoi pas aller chercher cette défense en meeting. Quitte à perdre même un Arbridge, hein, la trappe elle va être ouverte, la trappe Elec. On a de quoi. On a de quoi de jouer autrement. Et justement, on va faire notre insertion pour les Fox-Up. Bon, avec Revoz une nouvelle fois qui va s'insérer très rapidement de son côté. Bien droné par Kizzy. Boji qui va suivre aussi de très près son mate. On va être en position de revenge assez rapidement. Ouais, droning complet. À part des Grimdall, on a... Personne ne pourra agresser de ce côté. On a juste Makaba et Gunshi qui sont dans cette meeting. Ouais. C'est qui est sage sur ce site une nouvelle fois. On aura Kaz qui va tenir un peu le freezer. Oh, Revoz. Et sur une belle information, on peut mettre un beau travers. Oh, c'est maintenant. Il va aller récupérer Gunshi derrière Boji pour faire tomber Makaba. Voilà, peut-être la poste tactique. Improvisé de la part des Fox-Up a pu permettre de faire ce double entry et aller se déloger. Cette défense étendue. 5v3. On a un avantage numérique du coup pour aller attaquer. Et on est même dans le bon timing et le bon tempo parce qu'il reste 1 minute 40 de jeu. On a déjà la trappe. Elle est ouverte par les défenseurs. Il reste encore potentiellement deux trappes. Et à voir comment on va s'organiser. En plus, on a renforcé complètement le freezer. Intéressant. Intéressant de renforcer complètement le freezer, mais du coup Boji il peut s'insérer très facilement. Et Boji, ouais, il va avoir un premier duel avec Axei. Say, on the right. Oh, on va le voir. Oh, on l'a pas vu, Say du coup. On va aller récupérer la belle tête sur Boji, c'est dommage. Côté Fox-Up, on s'est peut-être avancé un peu rapidement et naïvement. Pas possibilité de revenge, on s'est donné un peu un par un. Allez, maintenant il faut pas complètement se rune. On va essayer d'attaquer bien ensemble. On va aller bon mur pour Phage sur ce freezer. Ah, c'est qu'il va être mis sous grosse pression. Mais attention à ne pas ignorer la position de Kaz en bleu. Il peut revenir et faire un carnage dans le dos. Nelo qui va être mis sous grosse pression aussi. En ce coin P. Oh lolo. Oh Nelo. Oh Nelo, ouais, il aura un free kill sur Kizzy. Ouais, il va aller réussir à le faire tomber derrière la neige qui va toucher personne. 3v3, on revient à l'égalité numérique pour les Grimdall. Oh Nelo. On est low sur agression. Ouais, on va mettre la bête tête sur Phage. On perd le désamorceur par la même occasion. Casse derrière pour faire tomber Revoz. Il reste plus que Sion. Sion qui va prendre pas mal de dégâts. 1v3. Situation de clutch. Pour Sion, on n'arrive pas à ajuster sur Sei. On n'arrive pas à ajuster. C'est compliqué. C'est tellement compliqué. Oh, le C4.
c'est que ton appel des amorceurs. 10 secondes de la fin. Grindel on fire. Ouais, on arrive quand même à déconner une belle Z sur Sei. On va continuer au pistol. On va mettre des pré-fire. Sur Nelo. Mais impossible. Impossible à réaliser ce clutch pour Sion. Trop compliqué. Trop compliqué. On a peut-être un peu trop. Côté Fox Up. On s'est peut-être donné un par un ou... Il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose. Peut-être aussi un peu d'information. Mais ouais, là, c'est... Côté Grimdall, on est vraiment on fire. On est dans un gros momentum et on enchaîne. Quatrième round de suite. On va repartir en Kids Bedroom. Pour les Français de chez Grimdall. Pourtant, on avait bien réussi à comprendre le setup étendu. Grimdall côté Foxup, mais après cette double entrée très rapide. Ouais, il a manqué de quelque chose. Peut-être l'attaque en main n'est pas forcément la meilleure, la meilleure stratégie sur ce point. Surtout avec le freezer qui était déjà bien fermé. Pourtant, côté Grimdall, on n'a pas forcément des gros... Ouais, on n'avait pas des grosses coupes, des covers. On avait juste des joueurs on fire et solides sur leur duel. Ils ont réussi à renverser la tendance. Allez, insertion des Fox Up. Une nouvelle fois, on va faire une attaque en 2-3, cette fois-ci. Avec deux joueurs qui vont partir côté main. Après, pourquoi pas deux joueurs côté... Non, trois joueurs. Côté tour. Oh, oh ouais, Makaba. Non, je pensais qu'il était plus agressif. C'était Sei qui était beaucoup plus agressif qu'à reculer. Du coup, en position verte. Et va s'abstenir d'agresser. Mais il va rester quand même dans le coin. Il va bientôt droner. Ouais, il est déjà droné une nouvelle fois. Une deuxième fois ici, à l'instant même. On a du mal à détruire ce drone. On va aller chercher, agresser. On va se placer en tour. Ah, on va repartir au basement. C'est simple pour le récupérer. Pas en dessous. Kizzy, du coup, qui va juste attendre. Un petit coup. Ouh. Est-ce qu'il veut attaquer rapidement cette position? Nelo qui va être mis sous grosse pression aussi dans son armurerie pendant ce temps-là. On a un joueur en parabole, on a des rappels derrière, on a un joueur en dessous dans le garage. Ouais, ça va devenir très compliqué. Nelo qui aurait pu mettre un beau flic, on va aller chercher la Ibana. On a du mal à ajuster et c'est dommage, on n'avait plus de balles dans sa SMG. Du coup, Fage pour aller le chercher, l'entrée prise par les Fox Up, c'est le smoke qui va tomber. Il n'y a pas de possibilité de deny de temps. Ah, on va forcer la rotation de Sei. Pourquoi pas remonter sur site. Et là, côté Fox Up, on a compris. La masseur est claire, mais attention à Sei. Ou à Sei. C'est my name. Oh ouais, Sei justement qui va mettre quelques dégâts. Un beau pré-fire ceci, on a du mal à ajuster, à le faire tomber. En tout cas, on va faire perdre pas mal de PV et de temps. C'est très, très important quand même de maintenir cette pression-là. Makaba toujours dans cette kitchen qui n'est pas mise sous pression mais qui peut régresser d'un moment à un autre. Allez, on sort de la sursite. C'est Fage qui a ouvert son mur gaming. On voit malgré la supériorité numérique et bah voilà, maintenant on n'y est plus. En supériorité numérique, et Sei qui va faire un beau double kill, qui va faire même tomber le désamorceur par la même occasion. Fage de l'autre côté pour faire tomber Gunshi. 3v3, mais on a le désamorceur pour les Grimdall. Sei, il faut rester. Moi, c'est rester Fage qui va justement tomber sous les balles. Oh, et on va même tomber une nouvelle fois. Côté Sion, il reste plus que Bougie. 1v3 qui va se faire récupérer par Makaba. Et ça déroule pour les Grimdall. Ça déroule, on agresse, on harcèle même ses attaquants. On les empêche de déployer leur jeu et leur tempo sur cet Oregon. Et les Fox Up à l'agonie sur cette phase d'attaque. Ouais, les Fox Up à la grosse agonie sur cette attaque et... Quel jeu proposer aussi côté Grimdall, parce que si Fox Up a du mal, c'est que Grimdall joue très bien, propose des bonnes stratégies, des grosses problématiques sur les Fox Up.
Et quand on va réussir une nouvelle fois cette rotation complète des bombes sites, on va partir cette fois-ci Kitchen Meeting une nouvelle fois. Gunshi encore avec son castle qui avait failli sortir un ace tout à l'heure. On ne va pas prendre le Rix cette fois-ci pour Kaz, on va prendre un bandit. Peut-être on va essayer de bandit trick ou de garder plus longtemps cette tactique. Allez, n'hésitez pas à sortir les couleurs de votre équipe, couleur verte côté Grimdall ou couleur orange côté Fox Up. Rien n'est terminé tant que le match n'est pas fini, tant qu'on n'arrive pas au 7 chamoun pour une équipe ou même au potentiel 8 chamoun en cas d'overtime. Rien n'est fini, mais on est quand même bien côté Grimdall. Allez, insertion nouvelle fois côté Fox Up, on va partir côté tour. Nouvelle fois, attention à la position de Bogie en flex électron libre avec son sledge. On va essayer de mettre une pression dans le dos par cette grande fenêtre. Pourquoi pas Rivos qui va vite s'insérer. Ouais, il va vite s'insérer en armurerie et ouais, directement repéré par cette caméra. Du coup, on va avancer jusqu'à cette trophée. Intéressant le setup de Grimdall. Oh la grenade, oh la grenade. Ouais, on l'a bien senti pour Kaz. Sur la grenade qui va faire tomber les deux batteries, on pourra potentiellement ouvrir ce mur. Et voilà, on s'est fait un double bunker. La qui est Zalatik. Sans jouer la gaming. Intéressant, d'habitude on tient la gaming et le grand lit. Allez, Revoz pour aller agresser cette fois-ci et harceler cette défense étendue. Kaz et Makaba, vraiment enculé en kids. Un petit rappel et en kids, ça va être encore plus compliqué à jouer cette position. Ouais, on prend aussi des dégâts pour en tout. Et Revoz, ouais, qui va mettre quelques balles sur les plaies. Il va faire un bon premier kill, mais on a la formation du deuxième joueur. Ouais, on va le revoir. Est-ce qu'on va récupérer ses pieds? Ouais, Revoz pour aller sanctionner derrière Kizzy qui est tombé sous les balles de Gunshi une nouvelle fois. Le castle on fire sur sa position. Oh, on a vu ses pieds. Ouais, on va aller sélectionner Nailo un peu gratuitement. Un peu naïvement Nailo sur sa position. Et cette fois-ci, ça... on prend largement l'avantage numérique pour les Fox F 2v4. Mais là, Sei va faire un beau move de rotation. La sur-agression. Je parlais de tout à l'heure. Avec Sei, on la retrouve ici une nouvelle fois. On va aller harceler du coup. Cette prise de défense. Oh, l'air jab, on l'a pas entendu. On se le prend et du coup, on va inquiéter quand même ces attaquants. Bogie, justement, qui va checker cette position. Et Gunshi de l'autre côté pour aller faire tomber Revoz. Gunshi on fire sur sa meeting. C'est vraiment sa position. Ouais, il aura notre duel. Il surfage. Oh, on a du mal à ajuster entre les deux joueurs. Mais on met quand même pas mal de dégâts sur l'ace. Côté Fox Up. Et Gunshi. Sur ces doubles micro-lignes. Oh, il est passé à droite. Phage, il faut prendre l'information. Attention, si pression à la trappe. Oh, on l'a vu. Oh, on a du mal à ajuster. En tout cas, tellement solide. Sur sa position derrière des sacs de sable. Oh, et le flic qui va passer. Non, on prend quand même pas mal de gars. Et là, on va y aller à deux pour aller déloger sa position. On n'est pas blanc. Si, maintenant, on est blanc. Osei qui va revenir dans le dos. Gunshi qui a fait un premier kill. Si, on a la revenge. Allez, Sei maintenant qui va se retrouver en situation d'un v2. Bogie qui va être forcé à planter à 3 secondes de la fin. Oh, Sion. Sion, on est dans son dos. Ouais, on est dans son dos. Et du coup, la plante qui ne pourra pas passer. Oh, et si ça passe pour Sei, les Grimdall qui arrivent à mettre les 6 défenses d'affilée. En grande forme ce soir, les Grimdall. Mais ça fait à passer une nouvelle fois pour les Fox Up. Et on a dû quand même compter sur un bon Gunshi dans sa meeting. Waouh, les Grimdall en grande forme ce soir. Même en infériorité numérique, en 2v4, on arrive à clutch en harcelant. On se laisse pas abattre, on se laisse pas subir. Et on est là, on tente. On tente et... Ah mais Gunshi, il me fait bander là sur ses phases de défense, en tout cas sur ses défenses meeting. Incroyable avec son castle. Et pourtant, en face, on a quand même du répondant. Côté Fox Up, on voit quand même Revoz tenter des bonnes choses. Mais il manque ce petit truc. C'est vraiment... Ça passe à rien à chaque fois. Le score est quand même assez sévère. Mais Grimdall, on est supérieur, en tout cas, sur l'ensemble du match. Allez, c'est parti. Fox Up à la défense. On va partir en Master Kids. Ça fait un petit tour côté classement. Ouais, Gunshi,
en grande forme. Et on a Sei aussi qui suit pas mal. Un peu plus compliqué, bah, pas compliqué, mais on suit le tempo entre Nelo, Makaba et Kaz. Côté Fox Up, on a plus ou moins dans le même nombre de kills entre Kuzi, Boji, Fage. Et si on se le reboze, on fait un peu plus, mais. Mais ouais, pour dire que c'est l'ensemble de l'équipe des Grimdall qui est supérieur à Fox en ce moment. Mais bon, c'est quelque chose qui fait la différence. Impossible à dire quoi exactement. Peut-être un peu l'envie. Côté Grimdall, on a vraiment faim en tout cas sur cette rencontre. Et là, on monte côté. Ouais. On attaque, on est déjà aux portes de cette master. On va avoir un setup étendu avec pas mal de stuff du coup. Dans cette trophée, on va repérer les alarmes, le bon droning de Nelo pour récupérer toute information. Oh, Makaba. Makaba, est-ce qu'on va? Non, on le voit pas. C'est le shield derrière qui va protéger en tout cas, qui va masquer la visu de Kizzy. Là, on va faire une attaque en 3-2, non? Voici Gunshi qui. Oh, Gunshi. Gunshi reverse. On a un petit duel là. Hop. Est-ce qu'on a l'information pour Gunshi? Revoz, il est juste à côté. Oh! Coucou. Coucou, et Gunshi va y aller, non? Revoz, il joue bien au chat de la souris. Et Gunshi, oh, il a bien compris qu'il est parti à gauche. Il a bien compris, on va aller chercher Gunshi. Gunshi, Revoz. Oh là là! Ce sang-froid quand même de Revoz pour essayer de planquer. Oh, derrière Fage qui va aller découper Kaz. Un peu compliqué. Et du coup, Ribos, il va aller se faire agresser. Cette fois-ci, ça va être son rôle d'aller harceler ses attaquants sur cet Oregon. Et Gunshi qui s'insère. Oh, Gunshi, il est en grande forme, il s'insère très rapidement. Dans cette ATX, ça y est, juste derrière. Mais attention, ça y est, il faut regarder aussi derrière toi. Oh, Makaba pour aller détruire Gunshi. Oh, Ribos. Bien attendu par Sei, on l'a pas vu, Sei il est juste au-dessus. Oh et c'est Revoz pour aller récupérer Gunshi derrière Sei. Malheureux, il n'arrive pas à récupérer la revenge. Après on va aller le chercher. Et ce combat en tout rouge, il est bien compliqué en plus, c'est bien épaulé par Boji qui est en dessous aussi au cas où. Allez côté Nelo, oh Boji justement, pas en dessous, j'en parlais, il a fait tomber Sei par la trappe. C'est marrant comment on vient chercher les attaquants, c'est limite les défenseurs qui viennent attaquer la position. Oh le C4 aurait pu donner quelque chose. Le Boji on va se raviser, on va... Oh t'as un escablant. Nelo bien tempo par cette smoke. On va rien faire. Le deuxième smoke qui est craqué par Fage. Oh Revoz. Oh Revoz sur une position lointaine en tour rouge qui va faire tomber Makaba. Du coup on push pour Nelo. On va tenter de plante. Et Fage pour aller terminer au shotgun. C'est pas terminé pour les Fox Up. Et on voit que les défenses sont quand même très supérieures aux attaques, mais c'est clairement les défenseurs qui mettent le tempo sur cette Oregon en tout cas. Allez, 6-1 pour les Grimdall, toujours balle de match, mais si Foxup fait ses défenses à l'image de sa défense au top floor et à l'image des défenses de Grimdall, pourquoi pas aller chercher un overtime. Clairement possible ce soir. Allez, c'est parti, 6-1. Partir au 8ème round de ce match. Au basement cette fois-ci. Allez, Foxup. Défense un peu plus classique cette fois-ci pour les Fox-Up. On va faire un setup étendu. Normalement, on va renforcer les traps pour Sion. Allez, insertion, on a un peu de roaming pour Revoz. On va être à la balade.
Toffler. Il va se faire quelques rotations, mais côté Gamdal, est-ce qu'on va pas se faire une grosse attaque côté tout rouge? En tout cas, on va prendre le rappel, on va prendre contrôle complet de cette tour. Soit dans la formation d'un joueur à la balade. On va vite s'insérer. En Genchi, Saibana. Gaz au droning. On attaque, on va venir un peu plus lente côté Grimdal, mais on essaie de prendre toutes les informations, pas faire d'erreur. Alors en tout cas le premier plan de jeu ça va être de voir la trappe pour Genchi, voilà. On va voir sa trappe, mais hey, Revoz. Une grenade à percu et s'ouvre la trappe à T qui met une grosse pression sur cette trappe. S'il est pas droné, il peut faire tellement de mal. Pour l'instant on va rester à la balade. Alors on a un joueur en poste chez Echo, c'est Sillon qui va être mis sous grosse pression. Il y a un flash qui commence à détonner. Attention à Sei, en tout cas elle est repérée avec cette Banshee de Melusi jouée par Revoz. Oh et Sei, il va détruire les barbelés. Bien attendu par Sillon, attention à ne pas faire trop d'erreurs sur ce côté. Et Sillon il est bien droné aussi sur sa gauche, ouais, il a vu le drone, il n'arrive pas à le détruire. On va se replacer en bon score. Ouh, Phage. Attention, ouais, on a deux joueurs. Et Bougie, justement, derrière, qui va se faire... Il va sanctionner Sei. C'est là, Yana, qui va tomber. Oh, et on prend pas le dégât. Oh, le flic aurait pu passer. Mais non, Nelo paraît faire tomber Sion derrière la revenge, qui passera pas en phase. Le bleu qui est tombé, du coup, des mains de Grimdal. Ah, aux mains de Grimdal, plutôt. Et Revoz qui est justement là, il va aller entamer sa rotation. Est-ce qu'on a l'information côté Grimdal? Non, on a clairement pas l'information. Soit Kaz qui va les faire récupérer gratuitement. Ouais, oh, Kaz qui va lui mettre une énorme tête. Et qui va aller justement renvoyer Revoz chez lui derrière sa drop. 40 secondes de jeu. Est-ce qu'on va aller s'insérer? Non, on va pas s'insérer maintenant avec la smoke parce que la finger ça fait mal. Nelo derrière pour faire tomber Phage. Il reste plus que Boji et Kizzy. Ouais, qui dit justement qu'il va tomber sur les balles de Makaba. Boji se retrouve en situation d'un V4, le clutch à faire pour essayer de remporter au moins cette carte. Ou du moins pas la perte sur Rune et Nailo pour terminer sur Boji. Victoire sur ce premier match. 7-1 pour les Grimdal. En tout cas, Grimdal qui a fait un énorme taf sur cet Oregon. On va aller partir du coup sur le deuxième match. En ce moment même, et on va aller voir en même temps ce qui se passe au niveau du pan map. Hop. Je vais mettre à jour tout ça. Et le pan map qui est revenu à zéro. Je vais me tromper aussi. Je crois que le Foxup c'est belge, il me semble. Je ne me rappelle plus. Bref. Je demande aux équipes aussi de switch de côté. Ouais, en tout cas, victoire 7-1 sur Oregon, quand même très autoritaire pour les Grimdal qui nous ont mis des grosses défenses derrière. Côté Foxup, on a fait une bonne défense. Une bonne défense prometteuse, mais elle a manqué ce petit truc. On l'a vu notamment avec Revoz qui a fait un très bon retour, mais cage. D'où il sort ce flic en escatour? Avec son Flores, il avait tout pour mourir, il n'avait aucun timing, même pas l'information et ce réflexe. Ouais, mais... Toi, c'est la des soirs où ça passe, tout qui passe pour toi et d'autres soirs, rien qui passe pour toi. Et voilà, c'est ce qui s'est passé en tout cas pour Grimdal. On avait clairement le momentum. Pourtant, côté Foxup, on était pas mauvais non plus. J'ai fait une petite erreur. Côté... Hop, j'ai mis Foxup. Foxup. On va mettre à jour ici. Il me semble que c'est belge. Je vais remettre belge. Hop. Update team. Voilà. Update. Maintenant, le bon map qui va bientôt commencer entre les deux équipes. Là, j'ai appuyé sur toutes les touches. J'ai pas voulu faire ça. En tout cas, côté Grimdal, on va reprendre 3 points. On passe à 5 points du coup au classement.
On va faire un petit tour au classement à la fin de la double confrontation, mais... Hop. Allez, côté Fox Up en attaque, Ban Sky, on ne veut pas jouer les nouvelles cartes pour Fox Up. Ah, une bonne map qui est en cours. On a ban que Sky pour l'instant. Côté Fox Up, maintenant c'est tout Grimdall de ban. Est-ce qu'on va les ban? On va les ban. Pourquoi j'ai pas vu si on a demandé à... une petite pause en attendant. Victoire 7-1 sur ce premier match pour les Grimdall, quand même. Gros jeu des Grimdall. Je m'attendais pas à un tel niveau de ces joueurs au vu de leur classement, mais ouais, c'était propre. Bon, le bad map qui se tarde un peu, du coup, on va aller faire un petit tour sur le classement. Et Grimdall qui passe à 5 points, qui reprend la troisième place. La troisième place des ex Fake Esports qui sont maintenant LFO, Last Technology qui part du coup à la cinquième place en attendant leur prochain match. Fox Up qui reste du coup à 9 points mais avec une lose. Ouais, on va voir comment ça va se passer. Je vais remettre une nouvelle prédiction. Maintenant ça a changé de côté aussi pour les prédictions. La prédiction va arriver normalement en avance pour vous. Et on a Bantam Park pour Grimdall. On n'aime pas les nouvelles cartes en tout cas pour les deux équipes. Peut-être on les a pas encore travaillées. Je connais pas la longévité de cette équipe. Il me semble que on est quand même assez récent. Côté Grimdall, Nelo était chez Last Moken à l'époque. Les autres joueurs, je connais pas trop. Côté Fox Up, pareil, je connais pas exactement combien de temps ils jouent ensemble. Allez, Border qui va être... Ouais, vraiment les trois dernières cartes qui sont arrivées sur le map pool compétitive. Direct sortie. Est-ce qu'on va revoir un Oregon? Je pense pas. Je pense que côté Fox Up, on va passer à autre chose sur Oregon. Quoique, on pourrait prendre la défense et aller d'abord les défenses pour aller, pourquoi pas, mettre une attaque maintenant qu'on sait que comment joue Grimdall. Bonne map en cours, on réfléchit bien. Chalet qui va être sorti. Chalet, je trouve que c'est quand même une map assez compétitive. Sur l'ensemble des cartes, je trouve que Villa, c'est quand même celle qui propose le plus de compétitivité. On peut vraiment avoir tout type de jeu. Des grosses turtles comme des grosses extends par au-dessus, par en dessous, ou très horizontales, même les styles d'attaque. On peut avoir pas mal de shields, ou des attaques très frontales, avec du shield notamment, même de la Kali, si on lâche le montagne ou le base. La Oza qui s'y prête bien aussi sur cette carte. Pas mal de jeux avec Buck par en dessous, par au-dessus. Du Fuse qui peut être de sortie parce qu'on a pas mal de verticalité. Qu'est-ce que je dis? Je dis, ouais, sur Chalet, mais aussi sur Villa. Oh, je sais plus de quoi je parlais. Et du coup, on ira sur le café. Côté Grimdall, on a ban quoi? On a ban Chalet, Club et Villa. Voilà, c'est ce que je disais. Côté Fox Up, on a sorti Bank. Et après, on a sorti Oregon. Vous voulez pas la retrouver, cette carte? Café avec les Fox Up à la défense. Du coup, attaque côté Grimdall. Et on va lui demander le side overtime. Encore des potentiels overtime. Hop.
Café qui devient aussi, qui devient, c'est maintenant une grosse classique aussi de Rainbow. Faut savoir jouer le rappel, faut savoir mettre du tempo en attaque, tout au moins, parce que si on veut faire un contrôle map quand on sort en kitchen, ça peut être compliqué si on n'a pas de tempo et si derrière les défenseurs jouent deux et qu'on peut facilement se faire avoir. Voilà, de qui parlez-vous Ils ont perdu de... Non, par rapport au classement, si on fait un petit tour au classement, je sais que... Hop, côté classement, les ex et les fous, les ex Fake Export qui sont les fous et Grimdall, ils ont perdu des... ils ont un match annulé et du coup, le match annulé leur a enlevé un point au classement parce qu'ils ont joué tout simplement avec des joueurs qui n'étaient pas inscrits sur leur fiche d'équipe du tournoi. Et du coup, ça a posé problème. Parce que normalement, dans les règles, on a le droit d'inscrire un joueur une heure ou une demi-heure, je ne sais plus exactement, avant le début de la rencontre. Et là, les joueurs n'étaient pas inscrits. Du coup, les Grimdall qui vont prendre la def en overtime. C'est un peu un choix logique. Donc les joueurs reviennent, switch de côté. En tout cas, je sais pas comment vous avez trouvé ce match, ce début de match, mais cette première carte, en tout cas, très très rythmée, très enjablée, j'ai envie de dire même. Comme de très très gros niveau sorti par les deux équipes. Et si on continue à jouer de la sorte sur Café et même sur les autres maps, pourquoi pas les voir potentiellement dans le dernier carré des playoffs. En tout cas, gros potentiel sur cet Oregon, à voir. Comment ça peut se passer? Après Fox Up sur Oregon, c'est vrai que on s'est pris un 7-1, mais 7-1, ça aurait pu. Je suis sûr que côté Fox Up, on peut proposer un meilleur jeu. Mais en tout cas, peut-être sur un meilleur jour, on peut aller chercher potentiellement le 6-6 face au Grimdall. Et là, espérons, côté Fox Up, on ait fait un reset mental pour aller jouer cette café. Allez, c'est parti, on va partir justement sur cette café. Le match qui vient d'être lancé. J'ai la chef. Allez, il faut que ça passe à la défense, du coup, sur cette café. Que va-t-on ban, du coup? Est-ce qu'on va retrouver le Thatcher qui va être ban une nouvelle fois? Ouais, Thatcher justement qui va être sorti par les Fox Up. Grimdall, est-ce qu'on va rester sur son Jackal ou justement aller chercher, pourquoi pas, en montagne ou même un Sledge? Gunchy qui aime bien jouer le Castle, on peut sortir un Sledge pour Café, ça s'est déjà vu. Eh non, ça va être Flores. Flores qui est quand même pas mal ban sur Café. Justement avec la tenue du coin P au top floor sur la défense Bar Cocktail. Le drone de Flores qui est très puissant pour facilement déloger tout type de stuff. Après on voit pas mal de Twitch aussi de sortie pour aller détruire justement les ADS, les magnets de Wamai potentiels. Seul le mute peut empêcher ça ou pourquoi pas Mozy avec ses araignées. Et derrière un défenseur, on va sortir de la Valkyrie. C'est vrai que Valkyrie était ouverte sur Oregon mais on il me semble pas qu'on l'ait joué derrière Kaïde. Il va être de sortie une nouvelle fois. L'opérateur marocain qui est pas mal ban. Généralement, c'est Thatcher Kaïde. Les opérateurs les plus souvent en ban. Allez, du coup, Grimdall à l'attaque et Fox Up qui vont directement aller ban. Pas ban, mais jouer cette Bar Cocktail et Sillon avec son castle. Allez, les gars dans le chat, maintenant, il faut repousser son équipe
sortir les couleurs orange pour les Fox Up ou couleur verte côté Grimdal. Parce que là, on arrive sur un autre match. Certes, on change de carte, mais là, c'est un autre match qui se joue. On passe sur le play des 6. On fait deux play des en asseoir. Allez, c'est parti. Phase de défense, du coup, pour nos chers Fox Up avec le castle de Sillon. Allez, on fait toutes les rotations, rotation en palette. Côté droit. Général, personnellement, je préférais la faire de l'autre côté. Comme ça, depuis la verrière, on n'avait pas les pieds sur cette rotation. Mais après, sur le rappel cocktail, on peut avoir cette rotation. On peut couper cette rotation. À voir comment les équipes préfèrent la jouer. On va faire des ouvertures sur cette toilette. Potentiellement, c'est en freezer vu que le mur n'est pas renforcé. Pas de setup étendu proposé par les Grimdal. Allez, par les Fox Up et Grimdal. À insertion justement la Twitch qui va être sortie par Sei. On va aller chercher directement le rappel pour aller jouer le toit. Pas d'insertion au basement. Est-ce qu'on a un petit C4 agressif de la part d'un des joueurs? Non. Oh, Revoz qui va être à la balade avec son mute. Est-ce qu'on va tenter de sortir? En tout cas, on va jouer mute MP5K. On veut vraiment jouer de l'agression. Avec son mute. J'avais pas vu le bug de réticule. On voit le réticule sur le viseur. Intéressant. Mais bref, du coup, il va se oublier. Par en dessous, Kaz qui va prendre quelques rappels. Pourquoi pas jouer par en dessous. Ouh, Kizzy. Où est-ce qu'on était, Kizzy? On a sorti un joueur. Est-ce qu'on va sortir de la verrière? Pas du tout. Si, ouais, s'il est mort à la verrière. Et c'est. Ouais, c'est ça qui est mort à la verrière. Petite ligne. Les piques verrières qui font mal. Allez, maintenant sur cette café, on a un rythme beaucoup plus lent à mettre en place. Il reste pas mal de temps sur les toits aussi pour les Grimdal. Ah, l'insertion de Makaba plutôt. On va détruire les leurs d'alibi. Attention, on a un joueur en coin P. Normalement, c'est Boji. De toute façon, on voit Mike qui va faire perdre un maximum de temps et de stuff. Maxi Magnet et aussi attention à son APO5 sur son MP5. Ça peut être puissant. Attention à pas trop tarder côté Grimdal à l'attaque. Revoz qui a dû se faire se montrer mais il se fait oublier dans cette librairie. Et derrière Makaba. On va le chercher de même que Kaz. On va justement aller chercher le Mute Jammer par au-dessus. Détruit à l'instant même. Normalement, on a le deuxième, non. Oh, et Makaba qui va faire un bon entry kill. Derrière, Kaz par en dessous. Ouh, oui, on a Revoz qui arrive. Revoz qui est au contact. Oh, c'est l'information du joueur qui drone à son contact. Oh, on va arriver. Oh, 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 derrière toi, Revoz. Revoz, Revoz, Revoz. Oh, là là. Oh non. Oh, c'est terrible. Oh, c'est terrible. Oh, et du coup, Kaz, il a vu. Kaz, il a vu. Oh, ça joue au chat et à la souris. C'est incroyable le manque de timing entre les deux joueurs. Par au-dessus, Boji qui va découper Makaba. Ouais, et Boji qui va se faire même revenge par le flanc. Venu par... par qui? Venu par Nelo, il me semble, ouais. Ouais, et Revoz justement qui va faire tomber Gunship en dessous. Kaz pour faire tomber Revoz. On a enfin eu ce joueur qui se baladait par en dessous. Le plancher qui est beaucoup trop solide. Boji qui se retrouve à terre. C'est une situation de 2v2. À 7 secondes de la fin, il faut y aller par Nelo. On va y aller, on va se faire découper par Phage. Il reste plus que Kaz. 1v3. Kaz, on prend un premier kill, un deuxième. Non. Et les Fox Up qui remportent le premier round de défense. On a un peu tardé. Côté Grimdal sur cette attaque, on a dû se précipiter en late game. Ah, mais quand les joueurs vont revoir la rediffusion par en dessous, entre Revoz et Kaz. Incroyable. Si vous voulez, les gars, je vais vous annuler la prédiction. Je sais pas si je peux l'annuler en fait. Et je vais remettre une prédiction de 2 minutes. Hop, supprimer.
Ah, c'est pour mieux rendre les points. Je vous fais ça, les gars. Comme ça, vous allez récupérer vos points. Allez, 1-0 du coup pour les Grimdall. On va repartir en kitchen. Allez, phase de défense. En kitchen, on va s'ouvrir le freezer pour les fox-up. On va faire une défense même jusqu'à la bakerie. Est-ce qu'on a un setup étendu? En tout cas, on a juste les trappes de renforcer. On a joué à la balade. C'est le bon Revoz. Une nouvelle fois. Un solo roaming. Et là, qui va peut-être subir la foudre de Sei. De son Jackal. En tout cas, à côté Grimdall, on a envie de se dépêcher. Oh, Gunshi. Gunshi en dessous. On a sanctionné un joueur en bar. Incroyable. Parce qu'on a eu un... Oh, on avait un très bon drone de placé. On a clairement sanctionné Kizzy. Attention, un phage toujours dans le coin. Et Revoz du coup. La balade. Pas au courant qu'on a un Jackal qui va être repéré à l'instant même. Ouais, le Jackal. C'est Sei qui va descendre en escablant pour pas le récupérer. Non, c'est pas Sei, c'est qui? Makaba. Makaba, ouais. Et Revoz, il faut qu'il fasse perdre un maximum de temps. Et voilà, on va prendre un premier drone, mais directement récupéré par Makaba. C'est bien joué, le jeu ensemble avec les drones. Et le joueur qui suit derrière, on se met dans une bonne position pour aller attaquer le BP. Oula, je galère un peu avec Matspec. 3v5, ça va devenir compliqué. Pour les fox-up à la défense. J'ai du mal à choisir l'opérateur. Ouais, premier stuff qui m'ont détonné, mais attention à un phage. Attention à un phage et ça, son smoke. Dans cette VIP, on va se replacer avant de subir un peu une potentielle foudre. Et Makaba, il attend juste une petite erreur en grande fenêtre, il va pas agresser. Oh, phage. Le joueur est juste au contact. Il faut prendre la formation sonore. Ouais, la première smoke qui va détonner. On va essayer de se replacer. Mais attention, on a Gunshi en grande fenêtre. Qui va pas réussir à le récupérer cette fois-ci. Et on va se replacer pour Phage. Sur site. En tout cas, en double porte pour l'instant. Allez, Gunshi qui s'est inséré. Oh, Gunshi, on a un petit duel. Oh, c'est bien compliqué. Dernière case pour faire tomber Bougie. Il reste plus que Sion. Ouais, dans ce dressing, on manque un peu son duel. Pour le Echo. Phage qui est mis sous grosse pression aussi, Sion qui... Oh, oh, ouais, on a Bougie. Non, c'est Kaz qui est juste à côté, derrière Nello, pour aller le récupérer, il reste plus que Phage. En 1v5 avec son smoke, et qui va se faire récupérer par Makaba. Flawless rune des Grimdall, voilà, on répond d'une grosse manière autoritaire sur cette attaque, un partout, entre Fox-Up et Grimdall. Allez, on va partir une nouvelle fois en kitchen service pour les fox-up. Attention de ne pas se faire directement récupérer en entrée. Barganchi qui avait fait un très beau travers en fenêtre. C'est un bel info-drone. Et tu sais, justement sur cette guirlande, est-ce qu'on va réussir à leur mettre ce drone? Hop, le petit tricks qui se passe ici. Sion qui n'entend pas le drone. Même Rebos, on l'entend pas. On n'a pas réussi à faire son petit trick. Hop. Petite astuce. Les tutos de Gunshi, de placement de drone. Voilà. On va avoir un bon drone bien préplacé pour récupérer un free kill. Ouais, on l'a toujours pas vu ce drone.
Oh, cette fois-ci, Bougie qui va peut-être se placer d'une autre façon. On va mettre des alarmes ici. On va se replacer. Oh, ouais. Ouais, Gunshi. Nouvelle fois, qui aurait pu être opportuniste. Sur ce préfire. Ah, et Revos, par au-dessus, toujours à la balade. Toujours esselé sur son roaming Revos. Que ce soit sur Oregon ou Café. Même type de roaming. Là, on va subir la foudre des drones. Est-ce qu'il va réussir à se planquer juste avant que le drone lui passe? Oh 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 oh, Makaba, Makaba, Makaba. Ouais, on a clairement l'information. On a pris la foudre en travers par ce mur piano et puis par Makaba. Il était en cigare. Ouais, le cache-cache qui n'a pas marché pour Revos et le solo roaming, c'est peut-être pas la meilleure des façons pour faire perdre du temps. Sur le café avec une équipe qui est quand même bien organisée. Ouais, maintenant, par en dessous, Easy. On va tenir son bar avec toujours son MP5 A x5. Et Gunshi, il aime bien sa position. Grande fenêtre, fenêtre VIP. On a tellement toutes les informations. Voilà, ce drone qui permet de récupérer un deuxième kill. C'est rapide. Oh, et c'est ça justement qui descend en Escagold. Kizzy, qui est mis sous grosse pression. Attention aussi à la suragression de Sion. Sion qui est venu suragresser. C'est ce qu'il faut faire. Écoutez, Foxhub pour aller récupérer l'avantage numérique. Oh, Sion, la belle rivette. Sion, nouvelle fois. Non, on n'arrive pas à ajuster sur ça. Il va se faire justement sanctionner. Derrière ça, déroule. Il reste plus que Bogie. 1v4. 1 minute 11. On prend la foudre sur cette kitchen. Pour les Foxhub. Allez, Bogie. On peut le faire, on va pourquoi pas récupérer une première tête, celle de Kaz. S'il se remonte une nouvelle fois ici, ouais, on va se montrer, on va récupérer la belle tête. Sur Kaz, 1v3, à négocier, une 50. Oh, la deuxième tête, non, ça passera pas sur Sei. Sei qui reste en double porte. Oh, c'est compliqué. Oh, 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 on y va au pistol. Et on n'a pas vu le joueur à droite, c'est Nelo. Nelo qui était en grande fenêtre derrière. On plante, on a planté pour Makaba. Et on ressort. Oh, et Sei, voilà, pour aller chercher le dernier kill sur Bogie. Grimdall beaucoup trop strong sur son insertion et sur son attaque en kitchen. On peut proposer autre chose pour les Foxhub pour espérer de remporter cette défense. Ah, et du coup, on va changer de BP. Pour les Foxhub, on va partir en salle de lecture, cheminée. Reading room, fireplace, English. Et on va prendre la runique. On va voir la première fois sur cette double confrontation, de même que la frosse de Kizzy. On va se faire justement un setup étendu jusqu'au cocktail, un setup assez classé qui est obligé donc de tenir cette verticalité sur cette défense. Ensuite, une rotation en freezer, palette. Nouvelle fois, de ce côté. Ouais, on va défendre très agressif, on va dire, ce setup avec le freezer stock. On va tenir. Certaines équipes préfèrent se renforcer les demi et se défendre le cocktail vraiment en laissant le bar potentiellement aux attaquants, aux yeux du C4. Et attention aussi au piège à frost et frost mat. Derrière le bar, on passe par au-dessus ou même en avançant accroupi. On peut se le prendre très facilement, on le voit pas. Et ça peut être très piégeur derrière. Où est-ce qu'ils sont les autres pièges? On verra pas. Allez, insertion. Pour les Grimdall. Kaz toujours sur le bug. Non, tout à l'heure, il jouait quand même le sledge. Ça dépend des attaques. Quand c'est en kitchen, il préfère le sledge. Et c'est un frost mat. Il va dans le train. Gunshi qui aime bien récupérer des petits kills. Comme ça. Intéressant la façon de jouer pour Gunshi. Oh ouais, il va clairement récupérer un nouveau kill. Et cette fois-ci, c'est Kizzy qui en fera les frais une nouvelle fois en fait. Kizzy qui a du mal face à Gunshi à chaque fois. Intelligent, c'est une drone préplacée derrière par contre.
Rivas qui va être agressé dans son freezer. Est-ce qu'on a Boji aussi, pourquoi pas, en coin P? Oh non, il est en cocktail avec une petite ligne filou. Sillon en palette pour aller tenir ce coin P, cette avancée potentielle. Rivas, il aura fort à faire dans son freezer. Rivas, il va peut-être subir la foudre, en tout cas en prenant un premier duel. Non, c'est Boji qui va le remporter face à Makaba avec sa petite ligne. Oh, Boji qui va aller TK malheureusement. Rivas, c'est dommage. C'est dommage parce qu'on avait... Il me semble que c'était Kaz qui avait mis un petit pré-fire. Boji. Oh, Boji. Oh, on voit ses fesses. Ouais, on va lui mettre quelques balles. Oh, ça devient compliqué pour Kaz. Et malgré tout... Oh, Boji pour mettre une belle tête sur Kaz. 3v3, on reprend l'égalité numérique et on a du mal à comprendre. Côté Grimdall, comment ça défend? Ouais, très intelligent ce plan de jeu. Première fois que je joue une défense du cocktail de la sorte. Oh, par contre, on s'insère en freezer. On s'insère en freezer pour Sei. Naruto aussi pour Nelo et Gunshi. Ah ouais, la caméra blindée qui donne toutes les safras. Oh, c'est dommage. On n'arrive pas à détruire la caméra blindée. Nelo. Naruto pour, de l'autre côté. Gunshi aussi qui est remonté en escablant. Pourquoi pas pour aller. Oh, le préfire qui aurait pu passer. Et là, ouais, on réoriente un peu de l'attaque. Et même les défenseurs se sont réorientés avec le drop de Phage. Sion qui va tomber sur le bail de Sei. Il reste plus que Boji. Qui est blanc. Dans cette buanderie. Phage aussi. Oh, qui va subir la foudre. Oh, et Phage justement pour faire tomber Sei. 2v2. Est-ce qu'on va rester à plante pour Nilo? Il faut plante. On a plus le temps. Il faut plante maintenant. Ça plante. Et Gunshi à la cover. Gunshi justement pour se récupérer par Boji. Et Phage pour aller récupérer Nilo peut-être. Non, ouais, si. C'est Boji pour aller en terminer. Ouf, que c'était chaud pour les Fox Up. Mais vraiment, ce qui leur a permis de remporter ce round, c'est leur défense originale du bar cocktail. Avec ce panel de castle. Étonnant qu'on n'ait pas vu justement un Gun Six partir pour aller détruire ce castle. Et là, c'était vraiment tout le plan de jeu de Boji dans son cocktail qui était annulé. On aurait perdu. Vous n'aurez pas perdu de joueurs inutilement. Parce que Boji, il a fait un carnage. Tellement fait un carnage qu'il a même taken un de ses mates. Bon, malheureux, c'était pas volontaire. On a dû voir un adversaire dans la même ligne. Allez, de partout, on recolle le score pour les Fox Up. On va repartir en bar cocktail. On va ressortir le castle. Nouvelle fois, la Libye pour Kizzy. On va refaire le même setup avec Boji qui va être encore une nouvelle fois en coin P. On va se revoir. On va faire le même rota. On a encore la même ouverture en toilette normalement. Ah, n'hésitez pas à supporter votre équipe dans le chat, à spammer les Team Fox Up ou les Let's Go Grimdall. Sortir les couleurs vertes ou oranges. Selon votre opinion d'équipe et non politique. Allez, insertion des Grimdall sur ce cinquième round. On check toujours les spawn kills. Potentiel. Puisse arriver. Kaz qui repasse du coup sur son sledge. Why not? Peut-être avoir besoin un peu plus de grenades. Son côté Grimdall tout à l'heure, ce qui nous avait empêché de win ce round. C'était la prise de temps. On se pour aller détruire un autre. Oh, Sei qui prend l'entrée face à Boji. J'ai pas vu le kill. Oh, et. Attends. Quoi? Oh, on a eu un rappel. On a eu un rappel cocktail. Du coup, c'est le Wamai qui tombe d'entrée de jeu. Intéressant parce que le coin P est directement annulé. Et on a plus de possibilité de remettre des magnets pour. Pour les défenseurs, Gunshi du coup, extérieur qui va aller prendre un rappel, un nouveau balcon qui va mettre une première flash pour couvrir le son. On va couper toute rotation une nouvelle fois. C'est vraiment son rôle à Gunshi de couper toute rotation sur cette café. La joueur au contact, c'est Kizzy. Essaye de détruire des drones sur ligne lointaine. On va se faire directement opérer. On a un jeu par en dessous avec des grenades, notamment avec Kaz. Ouais, on va tenter.
justement des grenades en dessous. On a clairement l'information sur la position de Kizzy. Et Kizzy n'est pas naïf non plus parce qu'on se met sur un... Ouais, on se met sur un meuble. On va ranger cette grenade. Elle est pas au-dessus, ça va avancer petit à petit pour Makaba. Essaye. On va y aller au forceps, c'est très frontalement. Et Kizzy justement qui va tomber sous une grenade de Kaspar en dessous. Est-ce qu'on peut le réanimer pour Fage? Ouais, on va rester à le réanimer. Oh, la grenade qui va justement terminer et faire perdre énormément de HP à Fage. C'était osé. C'était très osé. Et par contre, 5v3 avantage numérique pour les Grimdall. Oh, on va suragresser Makaba justement pour faire tomber Revoz. On suragresse avec Fage. Essayons sur ce Freezer. Ça devient compliqué de V5. Fage pour tomber sous les balles de Kaz. Et Essayons qui va récupérer Gunshi. Tillon, nouvelle fois, ça devient compliqué. Et Makaba pour en terminer. Les Grimdall, quand ils sont chirurgicales, ça passe. Avec tellement d'aisance. Allez, on reprend l'avantage. Au score pour les Grimdall, 3-2. Sur cette café. On va retenter une nouvelle fois le bar cocktail lounge pour les Fox Up avec le même setup une nouvelle fois, mais est-ce qu'on va changer quelque chose? J'ai envie de voir de la variété. Côté Fox Up, pour moi, récupérer des points. Dans tous les cas, on va rester en tête du championnat, mais... Deux défaites de suite face à Grimdall, ça peut faire mal, que ce soit au niveau comptable ou mental. Là, côté Grimdall, ça se voit, ils ont rien à perdre. Allez! On va retenter, après, peut-être l'erreur sur le round précédent, c'est Bougie. Qui était tombé un peu prématurément sur ce round. Aussi sur un bon pré-fire travers, sûrement, de la part de Sei. Et ils sont bons, les Grimdall, sur ce jeu de pique agressif travers en early. Pour sanctionner les joueurs, pour des infos drones, c'est... En tout cas, sur cette café, c'est hallucinant. Ah, Boji, justement. On va se remettre dans son coin P, ça va être une nouvelle fois à Sei pour aller le chercher. On va retenter potentiellement une nouvelle fois un travers, ouais, on va mettre un petit coup. Peut-être qu'il l'avait tué comme ça. Au précédent, même sûrement. Hop, on a le castle qui va être ouvert à Libana, mais personne derrière. Il sera encore des... Ah, personne n'excite ventilation. Sur cette ventilation pour aller prendre cette fenêtre couleur blanc. Oh, le drone de Twitch de Sei qui fait pas mal de dégâts. On va détruire, justement. Je dois les billes. Drone. Oh, on a plus de taser. On prend énormément d'informations. Le mur piano qui vient d'être ouvert, un Bougie du coup qui va un peu reculer mais qui va rester agressif quand même sur sa position avec son viseur en poids 5. Il peut faire tellement de mal. Attention aussi à la rotation de Makaba, ouais, parce qu'on a un joueur en dessous, on a un joueur et ouais, c'est Revoz. Oh, c'est dommage qui va aller attaquer son ami derrière. Oh, et Revoz qui va faire un bon double kill. On a un peu de choc là-dessus. Fage pas au-dessus pour faire torper Gunshi et cette fois-ci ça va devenir compliqué pour Nello. Clutch Ace 1v5 à faire, sinon on repart en égalité de points. Drone mis en tout cas au score. Allez, 2012, rien n'est impossible pour Nello. Ah, c'est dommage, on a un peu mis son. Sur la position de Revoz. Chanceux aussi, Revoz. Ce TK qui a profité aussi pour faire un bon double kill. Et là, côté Nello, c'est bien compliqué. Surtout pas en dessous, Revoz a encore son C4. On a toutes les informations en caméra. Et on peut pas les faire tomber avec... avec Selma Dice. Hey, on se monte pas pour Fox Up. On reste très sage. Le C4 de Revoz qui a quand même éclaté. Oh, on aurait pu mettre un énorme flic sur cette position pilée. Voilà, on va quand même le faire tomber. 30 secondes. 1v4 à négocier.
On va remonter en escablant, mais bien Smoke. Bien Smoke, on va aller chercher le joueur Smoke. Non, il s'était bien allongé. C'est Phage qui va l'en terminer sur Nelo au shotgun. Et on va partir à la mi-temps en égalité de points. 3 partout. Est-ce que j'ai envie... Est-ce qu'on dirait pas quand même avantage Grimdall avec 3 attaques mises sur Café, qui est quand même une map assez défense à lead. À voir comment... Fox vont commencer à imposer leur tempo sur leur attaque. Sinon, côté score, c'est quand même assez homogène. Bogie peut-être pour porter son équipe. Bien suivi par Phage. Phage plutôt. Révocian qui suit un peu plus compliqué pour Kizzy. Il se fait quand même pas mal entrer pour Gunshi. Derrière, Makaba, Kaz, Sei, Gunshi, Nelo. Ouais, c'est quand même assez homogène en soi. Allez, on va partir en bar cocktail pour les Grimdall. Et là, on aura de la Rooney, des MR pour Gunshi. On aura le trio anti-deny de stuff d'opérateur avec Wama Jaeger, Aruni de sortie pour Sei, Kaz et Gunshi respectivement. Makaba. C'est son Goyo. Why not? A voir comment Goyo il va être utilisé avec son rework. Et c'est vrai que sur Café, ça s'y prête bien. On va essayer de tenir une zone le plus longtemps possible. C'est vrai que même une grenade ou une percussion va faire exploser son vulcano. Ouais. Un pic agressif pour Kaz en Bakery. Je pense pas qu'on ait l'information côté Fox. Qu'est-ce qu'il y a spawn là-bas? Est-ce que c'est Phage? C'est bonhomme. En tout cas, on a vite abandonné. Cage. Ouais, et on a aussi Sei à la balade pas en dessous. Oula, je pense à le prendre. Ouais, Sei à la balade et... Une grenade à percu sur l'entrée réception. On peut récupérer un ou deux, voire même 3 joueurs en rappel. Est-ce qu'on va le tenter? Non, on va pas le tenter. On est déjà sur le tour, on a loupé le timing. Allez, est-ce qu'on va réussir à harceler une nouvelle fois ces attaquants pour... Pour Grimdall. En tout cas, l'ouverture piano qui est très rapide pour les Fox Up. Ah, on a clairement repéré ce vulcano. On va s'insérer pour Rivoz. Rivoz, ouais, qui va aller, pourquoi pas aller sanctionner. Non, on a du mal à connecter. Oh, on va mettre quand même pas mal de dégâts. Non, c'est Nelo derrière qui prend pas mal de dégâts. Ouais, bah c'est Nelo qui est en campé en fait. Allez, le staff il va commencer à détonner. La nade sera un peu de choc avec le lustre. C'est dommage. On a loupé une nade. Oh, la death qui vient de se rajouter. Ah, c'est les petits détails qui font que... Par contre, je viens de comprendre en fait le plan de jeu du Vulcano avec le Wamai. On a mis un gadget de Wamai juste à côté. Au cas où, si une grenade explosée était récupérée puis explosée, par la même occasion, ça faisait exploser le Vulcano. Allez, on va s'avancer. Un nouveau TK pour Bogie. D'ailleurs, on a du mal à ajuster Makaba pour faire tomber Revoz. 3v4, avantage numérique pour les Grimdall. On s'en parle un peu pour les Fox Up. Et malgré tout, on est au contact du BP à une minute restante. On a quand même encore un C4 pour Makaba qui peut aller rota. Pas en dessous. On a encore des smokes pour Nelo, il me semble. Je sais pas, on a encore 3 smokes. Une première smoke, justement, qui va craquer dans ce coin P. Makaba qui a été récupéré en coin P. Ouais, là on est vraiment très frontal. Oh oh oh, ouais, on voit, on va pas réussir à ajuster. On va pas réussir à faire tomber Gunshi pour Bogie. Oula. Bogie, du coup, qui va y aller au forceps. Derrière Kizzy pour faire tomber Makaba. 3v3, ça déroule. Gunshi pour faire tomber Bogie. Phage et Kizzy à l'insertion. Phage, il va tenter de planter. Kizzy derrière, il faut tenter de cover. Faut rester un cover et ouais, Kaz qui est revenu dans son flanc et Gunshi pour aller en terminer. Très solide. Nouvelle fois les Grimdall sur cette défense. C'est dommage, côté Fox Up, on s'est un peu empalé. Il y en a encore eu un TK, j'ai pas compris.
pas très bien compris ce qui s'est passé exactement. Attackers need to locate and defuse bombs. Allez, du coup on va changer de BP, naturellement. Pour les games d'Halo, on va partir en kitchen. Kitchen service et kitchen, dining. Est-ce qu'on va faire une rotation à cette bakery? Parce que là on va faire exactement le même trou. On va se friser un mur freezer. Allez, insertion pour les Fox Up. Insertion, est-ce qu'on va faire quelque chose de frontal? Non, on va aller chercher un anti-roaming complet. Est-ce qu'on a du roaming du coup? Côté Fox, côté Grimdall, non, on va rester en Turtle. Belle Turtle. Donc cette rotation du camp Bakery a été faite. On a sorti un Warden dans les mains de Nilo. Allez, balayage des drones qui est en cours. Derrière Revoz va s'asserrer rapidement avec Bogie. On va jouer la spire. Et pas la batteuse pour Revoz. Why not? Ouais, faut vite comprendre que la personne au top floor. Faut vite prendre les positions. Avec Easy pour aller sécuriser les bacs avec César Jab. Sillon. On travaille la verticalité avec son buck. On check quand même tous les recoins en cas où. Si on a pas une petite fin qui est cachée quelque part. Petit préfire en cas où. Il aurait pu connecter. C'est gratuit les préfire. Une petite tête en préfire, c'est encore plus gratuit. Allez, qu'est-ce qu'on a en pression pour les Grimdall? Pour l'instant, on a rien. En fait, on n'a rien, on n'a pas de C4. On va juste attendre de subir la pression et puis de contrôler contrôler la défense avec des crosses entre chaque joueur. Allez, du coup... Ouh, Gunshi qui a pris un beau kill. Par son freezer. Ouais, c'est par la verticalité qu'on a prise. Ouais, on a fait clairement tomber le buck. Et là, c'est toute la pression en verticalité qui est tombée. Oh, et Kizzy, par contre, pourra chercher une belle revenge. Nelo qui va être mis... Oula, j'ai du mal à parler. Qui va être mis prochainement sous pression. Il va sortir le shotgun. Oh, bien joué le gadget. Bien joué le gadget pour éviter des flashs derrière Sei qui va se faire sanctionner. En tout cas, qui va tomber sous les balles. Oh, le coup de shotgun qui va partir sur Evoz. Une nouvelle fois. Oh, SMG de Nelo sur face. Nelo, une nouvelle fois. Triple kill avec son Warden dans cette VIP. Il nous reste que Kizzy. En 1v4, 1v3 parce que ça est tombé. Mais ouais, les flashs, ça sert à rien. C'est un Warden. Oh, on vient agresser pour les Grimdall. On vient agresser. On a même Kaz qui est revenu par au-dessus. Non, qui va dropper à cette trappe et qui va aller chercher Kizzy. Qui est dans ce coin. Ouais, compliqué, Kizzy. 1v4, 10 secondes. Impuissant. Le joueur de la Fox Up. Et on va prendre le large pour la Grimdall. On va mettre le break. Est-ce que c'est un ace de la part de Nelo? Non, il était en triple kill. Du coup, c'est peut-être un quadruple kill, mais... On a eu un miss drone quelque part. Côté Fox Up, on avait clairement pas l'information sur ce Warden. On est avancé un peu la fleur au fusil. Pour Revoz et sa finca. Et derrière, c'était trop simple pour Nelo. Il a enchaîné. Coup de shotgun, SMG, une tête, SMG, une deuxième tête, triple kill. Après, il a renversé la situation en rien de temps. Ouais, et là, ça devient compliqué. Nelo, il nous a mis un...
Un énorme move. Et là, par contre, côté Fox Up, ça devient compliqué. Allez, cette fois-ci, on va se défendre. Celle de Lecteur Cheminé. Côté Fox Up, on va faire une défense. Côté Grimdall, plutôt, on va faire une défense un peu plus classique. On va vraiment se bunkeriser. Le cocktail. Moi, je te le dis, le bunkeriser. Ce cocktail. Du coup, à l'insertion des Fox Up. Attention de pas laisser trop de rounds au Grimdall, parce qu'un round de plus, c'est déjà une balle de match potentielle pour les Grimdall. Allez, phase de droning une nouvelle fois, mais attention, on a Gunshi avec son C4 aussi par en dessous. Ouais, enfermé dans ce salle des machines qui va au tas, justement. On peut remonter en escablant. Par contre, Bougie qui est très bien inséré rapidement. On va avancer tranquillou. Prendre contrôle du freezer. Ah, attention à Gunshi. Et sa position. Oh, Bougie. Oh, et bien. Ok. Oh, Gunshi, il est sur ses caméras. On l'a vu. Ouais, on va le sanctionner facilement pour Fox. Pour Bougie. Derrière, on a encore Makaba, un cocktail qui va être donné à l'instant même et qui va reculer parce que ça va devenir compliqué. Il a pas de point de repli. Makaba pour mettre une belle tête sur Eboz. Makaba une deuxième fois. Non, c'est Bougie qui va le terminer. 4v3 avantage numérique pour les Fox Up. Ça déroule en tout cas sur cette attaque. On prend le cocktail très rapidement. On a plus de potentiel de C4C. On a encore Nelo en salle de lecture. Ça y est, en escablant Kaz. Ouais, c'était dans son musée du train, et là on va attendre un peu pour les Fox Up, on va prendre un maximum d'informations. Ah, Kaz, il n'était pas droné, mais on va quand même chercher ce drone. On a qui c'est Sillon sur cette trappe piano qui va aller le chercher. Parce que le bloquer potentiellement, non, on va rota. On a tout un BP à aller travailler, et du coup Nelo va jouer à Matrix. Pas du tout, on va juste se replacer. On va pas user de son C4 pour l'instant. 45 secondes. Attention à pas trop tarder pour les Fox Up. Oh, la position de Kizzy qui est quand même bien. Un disque blanc. Et voilà le C4 qui va détonner sous les pieds de Sillon. Voilà, on va le faire tomber. Ce joueur 3v3. On revient à l'égalité numérique. Attention Kizzy, on a un joueur juste en dessous de toi. Ouais, il va se faire sanctionner par ça. Et on retourne une nouvelle fois la situation pour les Grimdall. Bougie qui s'est inséré. On va planter pour Fage. On va planter Bougie à la cover. Ouais, on va pas essayer à faire tomber Nelo. Ça devient compliqué. Bougie qui fait tomber Nelo. Quand même, Bougie qui n'arrive pas à ajuster. On a plante. 2v2, situation de retake. Derrière Kaz qui va tomber sous les balles de Fage. Il reste plus que Sei. 1v2. Diffuse à faire. On entend le joueur à droite. On l'entend. On a réussi à sortir. Est-ce qu'on peut tenter Ninja Diffuse? Non, on va pas réussir. On a un beau cross. Ça devient compliqué. Say. Il faut faire le route. Oh, le beau cross. Phase pour l'en terminer. Et le Fox Up qui n'ont pas dit leur dernier mot. Quoi, impossible à chercher ce clutch. En tout cas, sur cette position pour Say. On était très bien attendu de chaque côté. Allez, Fox Up qui recolle un peu au score, 5-4, toujours avantage pour les Grimdall. Mais là, cette fois-ci, côté Fox Up, on connaît les setups défensifs des Grimdall. Et on peut s'adapter. On va repartir en bar cocktail pour les Grimdall. Defenders, protect your bombs from being defused by attackers. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. On met un Vulcano et juste à côté un magnet de Wamai. Comme ça, si une grenade est avalée par. Aspirée par l'aimant du magnet de Wamai, il va faire directement exploser le.
le Vulcano. Et si on se trouve juste derrière en position barre, eh ben on peut prendre pas mal de dégâts et forcer à bouger la position. En plus, le feu va tamper aussi la position. Dans un petit instant. Essaye. Oh, c'est... Malheureusement, on va pas prendre un rappel sur sa façade. Allez, Kizio Drowning. Rapide. Oh, on va voir les petits trous. Balayage des drones, c'est fait. On voit qu'on a personne ancienne. On va prendre le rappel assez rapidement. Là, j'ai ce qu'il va ouvrir rapidement ce mur piano. Comme tout à l'heure. Avec le même timing. La petite ligne de rebose. Restez sage. On est l'eau. On a clairement récupéré du coup ce Vulcano. Et ce magnate de Wamai. Oh, et Nelo qui est pris sous grosse pression. Là, attention à pas cacher ses nades pour Boji. Oh, on prend quand même pas mal de dégâts. Voilà, c'est ce que je parlais. Le Vulcano, plus la grenade, bah voilà. On fait perdre facilement une dizaine de secondes aux attaquants. Et en plus, on empêche de prendre la lane sur un potentiel back du coin P. Ouais, très intelligent ce petit plan de jeu quand même. Allez, du coup, Revoz qui va aller reprendre cette position en piano. On va aller investir les lieux. Reprendre le coin P, en tout cas. Information. Nelo s'est replacé en fond escablant. Ah, attention à ne pas s'empaler une nouvelle fois sur site. On a toujours un joueur par en dessous, Gunshi. On va faire retomber Sion Boji à la revenge. Essaye du coup que va essayer de attaquer par en dessous qui va toujours agresser mais qui va être bien attendu par Kizzy. Makaba. Un potentiel de C4. Est-ce qu'on va aller rota pour jouer par en dessous le C4? On reste en position palette. Revoz pour prendre toutes les coupes aussi. Oh, Revoz, on a manqué un petit timing sur le moment. Il en a vu ses pieds, mais on n'arrive pas à ajuster. Ouais, ça va partir un peu dans tous les sens. Say pour aller récupérer Boji, pas de possibilité de revenge. Est-ce qu'on va réussir à s'avancer pour aller prendre pour Fage? Non, en tout cas, on voit le Wamai qui nous embête bien au fond de ce cocktail. Et Say, une nouvelle fois, qui fait un beau carnage avec un double kill. Et on fait tomber le désamorceur par la même occasion. On l'a vu ce joueur en piano. On a aussi un joueur qui va venir de cette Danone. Oh, et par contre, Sai qui va se faire récupérer par Revoz. On va s'insérer. Pour Kizzy, on va s'insérer. Revoz à la plante. Kizzy, il faut réussir à être solide sur la cover. Oh, Kizzy va avoir un premier duel. Où on va sanctionner le Jaeger derrière Kaz. Il ne veut pas être fini. Makaba pour faire tomber Revoz. Oh, ouais, on fait tomber deux joueurs. C'est un 1v1 maintenant entre Makaba et Kizzy. Makaba. Oh, Makaba, est-ce qu'il pourrait aller revive? Non, Makaba pour aller terminer sur Kizzy. Les Grimdall qui vont remporter. Oh, le feu par contre là qui peut. Ouais, qui aurait pu être malheureux si on était sur un timing beaucoup plus serré. Mais en tout cas, les Grimdall qui vont reprendre ce break et partir en balle de match 6 à 4 sur 7 cafés. Les Grimdall à 1 round de mettre 6 points au Fox Up. Et du coup, on va partir en kitchen service. Et là, côté Fox Up, il faut bien comprendre que Nelo est dans la VIP. Il va se faire voir une nouvelle fois. Allez, Fox Up 2 au mur. On a que 2 rounds à mettre pour aller chercher potentiellement un overtime. Excusez-moi. La nouvelle phase de prep. Un côté score. Boji on fire. Côté Fox Up, après ça reste assez équilibré. Si on peut être un peu plus de mal. Petit Grimdall Makaba qui est aussi en grande forme, bien sûr aussi par Orsei, Bugunshi, Nelo, Az aussi qui est dans la moyenne. Alors, est-ce qu'on va proposer du roaming? Non. On a juste Gunshi qui va aller faire la trappe.
Un peu du pic agressif. Pas de roaming particulier, on va redescendre sagement pour le pour Genchi. Ou est-ce qu'on va proposer un petit roaming? Non, on va redescendre sagement, on aurait pu se faire récupérer. Un joueur en garage. Mais non, on va décider de prendre le rappel. D'aller sur un contrôle map pour les Fox Up. Allez, insertion nouvelle fois très rapide des Fox Up, notamment avec Bougie. Sondeur. Révoz aussi. On suit les drones. La musique, Révoz. Détruit la musique. En tout cas, l'enceinte. Allez. On investit les lieux très rapidement. Attention à Gunshi et ses microlines. Avec son Daimer, qui fait tellement de mal. Sur sa Oni. Et Nelo, nouvelle fois, sage. Dans un VIP. Avec Gunshi. Ouh, ouh, ouh. Là, par contre, ça fait retourner contre lui. En plus, c'est quand même une ligne assez. Assez bâtarde entre guillemets, quand même. Parce qu'on a le passage de la cheminée juste ici. Ouais. Oh, 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 le duel un peu compliqué au DMR. Dommage qu'on n'a pas un C4 derrière parce qu'on capitalise quand même un joueur sur cette ligne. Un C4 de l'autre côté, ça aurait pu faire tellement de mal et ça aurait pu être un merveilleux jeu ensemble. Mais n'en est rien. Du coup, si on va quand même continuer son travail de la verticalité. Oh, Bougie. Bougie qui va agresser sur. Sur Makaba. Dans son dressing. Gunshi pour faire tomber Revoz. Bon, on l'a fait tomber. Gunshi, nouvelle fois, sur la verticalité. Il assume complètement cette verticalité. Par contre, on va se montrer dans la ligne de phage. Nelo, du coup. Et il va tomber sous les balles de Kizzy. Cette fois-ci, on l'a pas oublié, Nelo. On prend l'avantage du mec sur cette kitchen. Makaba. Tu vas découper Bougie qui lui a mis une très belle tête. Il s'est inséré dans cette réception, Bougie, mais il s'est fait directement sanctionner. 3v3. Du coup. Égalité numérique à 40 secondes de la fin. On investit les lieux petit à petit pour Kizzy. En tout cas, Makaba qui est bien bloqué. Phage pour faire tomber Sei. Il reste plus que Kaz seul sur BP qui était dans la BQ en temps normal. Non, il est remonté par au-dessus. Oh, Kaz. Oh, Kaz. Oh, Kaz, mais on plante pour Phage. Oh. Ouais, on l'a pas vu le bug. Oh, on l'a pas vu. Mais non! Kaz, Sillon. Ah, Makaba qui a aussi un duel. Oh, c'est terrible ce nouveau timing. Ouais, bah, Kaz, du coup, qui arrive à mettre une belle tête derrière Makaba pour faire un beau kill. Et là, par contre, pour Kaz, on comprend pas parce qu'on se dit la personne au top. Et si on a le bug. Oh, 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 la fake aurait pu passer. On va se montrer dans les lignes. Ça devient compliqué pour Sion. Oh, les grenades à percussion qui peuvent aussi le sanctionner. Et là, on a un beau jeu à faire à deux en termes de cover. Oh, Kaz, oh, Sion, oh, Sion. On n'arrive pas à ajuster. Et si on va le faire tomber. Et derrière, faut s'enfuir. Faut s'enfuir, Makaba, ça devient compliqué, il faut diffuser. Il faut diffuser, Sillon, pour aller t'amener au pistol. Que c'était tendu. Que c'était tendu ce round. Et les Fox Up sont un round aussi. D'aller chercher cet overtime. Ah mais par contre, on aime bien se tourner autour entre Fox Up et Grindal. Kaz et... Et Sillon, une nouvelle fois dos à dos. Allez, match point une nouvelle fois pour les Grindal, mais là. Match de balle de overtime. Pour les Fox Up. En cas d'overtime, en tout cas, on va au moins sécuriser un point pour les Fox Up. On va pas partir bredouille de cette double confrontation. Ouais. Pouh. Allez. N'hésitez pas à lâcher le soutien sur un potentiel dernier round de ce match-là. C'est clairement un des rounds les plus décisifs de toute la rencontre. N'hésitez pas à sortir les Team Fox Up ou Let's Go Grimdall. Les couleurs vert et orange. C'est maintenant ou jamais. Allez, phase d'action et d'insertion pour les attaquants. On va proposer une nouvelle turtle pour les Grimdall. Et là, côté Fox Up, il faut encore plus rapidement
le comprendre pour s'insérer encore une nouvelle fois encore plus rapidement. On n'a pas du tout de roaming, on assume complètement cette turtle pour les Fox Up. On refait exactement le même plan de jeu, la même insertion. S'insérer en mode une minute. On a pris le contrôle de la carte, en tout cas des deux étages au-dessus du BP. Attention à Genshin une nouvelle fois et ses petites lignes assez filou. Ah, c'est là, on va peut-être sanctionner. Non, on va pas se montrer pour Phage. Si, on va clairement se montrer. Le top de Genshin par les décrochés. Un premier kill sur Phage, en fait tomber le désamorceur par la même occasion. Oh, et Genshin derrière qui va se faire instant revenge par Rivoz. Ouais, on a des lignes bien ouvertes sur ce Freezer. On se fait bien sanctionner. 4v4, ça se rend coup pour coup dans ce round tellement décisif. Nello, par contre, qui n'a plus beaucoup de soutien dans cette VIP. Il faut qu'il reste un maximum de temps en vie du joueur du Warden. On a tenté de remonter pour Kaz. Au final, cette remontée est quand même intelligente parce qu'on va faire perdre un air jab sur cet escalier. Onello. Onello, on l'a vu. Oui, on l'a vu. J'arrive pas à passer sur lui. Nello, du coup, qui va se replacer et qui va subir bientôt la foudre dans cette VIP. Ouais, Makaba pour aller potentiellement suragresser. Non, tout simplement, il se fait agresser par la réception. On l'a pas vu. Oh, si, il a clairement vu. Voilà qui va faire tomber Boji. Un peu naïf sur sa pose en réception. Revoz pour aller attaquer Nello sur sa VIP. Oh, c'est tendu, 30 secondes de la fin. 4v3, avantage numérique pour les Grimdall. Et Nello. Nello, il faudra être solide avec son shotgun SMG. Nello, Nello qui va mettre un bon coup de shotgun sur Revoz. Le deuxième qui passera pas. On a Kizzy à la revenge. Mais on a du mal à prendre les revenge. Les flashs qui vont détonner, mais impossible à faire tomber ce Warden. Et on va y aller, on va y aller. Kizzy qui va tomber sous les balles de Nello. Et il reste plus que Sillon. 1v4. Ça sent bon pour les Grimdall. Ça sent bon. Et Sillon sur un duel là, c'est compliqué. 3 secondes, impossible à le faire. Et on va le chercher pour Nello. Et on va finir même sur un trade. Et les Grimdall qui s'imposent sur les deux PD à la suite. On va chercher une petite interview. Côté Grimdall. Wow. Quel double match, j'ai envie de dire. Quel double match. Mettre ici. Quel double match qu'on vient d'afficher. Bah de suivre tout simplement. Hop, on va chercher. Petite interview. Je sais pas qui est-ce qui va nous rejoindre. On va se mettre dans un channel. Au pif là. Hop. Il y a 7-1. Et puis là, on a 7-5. Un peu plus serré quand même. Cette carte, mais. Ouh. Oh là là. De grosses équipes ce soir. Et Genshin qui nous a rejoint. Bonsoir à toi, mon cher Genshin. Comment vas-tu? Ouais, en tout cas, de grosses victoires sur ces deux playdays. 7-1 sur Oregon. On a imposé le tempo en défense et derrière, on s'est imposé 7-5 sans le café un peu plus disputé. Comment on s'est préparé du coup face à sur ces deux playdays?
Ouais, en tout cas, on a eu un très beau visage d'Igrimdal, même si Foxeft n'a pas été déméritant. Et. Attends, par contre, ton micro il bug un peu, ça fait pas mal d'écho. Ouais, peut-être. Ouais, ça devrait aller. Mais ouais, en tout cas, on a vu quand même des Foxeft. Malgré sur Oregon, ils se sont pris un 7-1, mais ils ont pas démérité. Sur Oregon, vous étiez clairement supérieur. Et en fait, la supériorité que j'ai dit sur Oregon, il manquait ce petit quelque chose. Et je pense que quelque chose, c'était la arme que vous avez pour. Vraiment, vous étiez aux deux au mur, en fait, pour. C'était, comme tu l'as dit, soit c'était on casse les objectifs, ou soit bah, c'était des victoires ou rien pour revenir dans la course. Et maintenant, bah, au classement, on se retrouve à 8 points, juste derrière. Ouais, juste derrière les Fox Up, on reprend la deuxième place. Prochain match, du coup, on va jouer face à qui avec les Grimdal. On va jouer face à qui Non, d'abord, ça va être les Last. Ouais, Last Technology. Du coup, comment on va préparer ce match face à Last Technology? En tout cas, j'ai envie de dire GG à vous. Est-ce que tu as un petit dernier mot, du coup, pour tes fans présents sur le live? Ah merde. Est-ce que t'es chaud à refaire l'interview? Pourquoi il y a un problème de son? Ouais, j'ai oublié de te mettre là. Attends, parle un coup. Ouais, est-ce qu'on m'entend? Là, on t'entend même très bien. Ouais. Du coup... bah c'est parfait. Du coup, comme je disais, on va recommencer. Excellent. Du coup, ouais, première victoire, 7 à 1, et deuxième, 7 à 5 sur café. Comment s'est préparé, du coup, face au Fox Up? Eh bah, ben, bon, du coup, c'est incroyable ce moment. Non, bah, beaucoup de préparation, surtout au niveau du mental. La motivation était vraiment présente. On devait gagner ce match. On l'a gagné. On a récupéré les points qu'il nous fallait. Début du tournoi qui a été assez compliqué pour nous. Une zone qui était un peu glissante, on avait pas mal de petits problèmes. On devait les réparer, et là pour le moment c'est vraiment sur une bonne route pour réparer nos erreurs d'avant. Là c'est simple, hein, on n'a qu'un seul objectif, hein, c'est de plus faire d'erreurs en fait, c'est vraiment rouler, c'est prendre la route et aller le plus loin possible. Donc là c'est des matchs qu'on prépare, mais surtout au niveau mental, c'est vraiment la priorité. Ouais, et du coup bon, on l'a bien vu ce mental. Bon, je vais pas refaire mon petit speech, on l'a quand même entendu celui-là. Mais du coup, prochain match face à Last Technology, comment on prépare ce match du coup face au OLT? Ça va être une revanche, comme tu me l'avais dit. Ouais, voilà, donc exactement. Donc une revanche. La première fois qu'on a joué face à eux, on a malheureusement dû jouer à 4. On sera 5 cette fois-ci. Donc cette fois-ci, on pourra pas se plaindre des soucis de line-up qu'on a eu auparavant ou autre. C'est un match qui sera comme celui-ci, c'est-à-dire qui va être beaucoup dans le mental. C'est une revanche qu'on doit prendre, donc on a la hargne. On a envie de manger du point, clairement, on a envie d'attraper du point, on a envie d'aller le plus loin possible pour réparer, comme j'ai dit tout à l'heure, nos erreurs du passé. C'est un match qui voilà, on doit pas se dire c'est une équipe comme une autre qui ont des points hauts, qui ont des points faibles, comme nous. On a des points hauts, on a des points faibles. On doit prendre chaque match au sérieux. Chaque match, on doit se donner à 200% pour être sûr d'accomplir nos objectifs. Ouais.
En tout cas, dans cette mineure A, tout est relancé avec cette double victoire ouais. face à Foxhub qui n'avait toujours pas perdu de match. Du coup, est-ce que tu as un dernier mot cette fois-ci qui va être entendu pour tes fans et pour tout le monde qui était présent sur ouais. live? Bah évidemment que je remercie du coup la line-up, hein, toute l'équipe qui nous encadre, la structure aussi qui nous encadre. On est arrivé avec un super bon accueil et dans l'ensemble, l'équipe s'investit à mort. Et c'est ça qui est vraiment intéressant avec cette structure. C'est pour ça que je les remercie énormément. Ils sont juste excellents. Après, évidemment, je remercie tous ceux qui étaient ce soir aux couleurs de la Grimdal. Je sais qu'il y a plein d'équipes qui étaient derrière nous. C'est ça toujours chaud au cœur en réalité. Quand t'es dans un match et que dans l'entre-deux-match, on dit ouais, vas-y, y a du monde tout derrière, qu'est-ce que ça fait toujours plaisir. Et aussi un petit coucou particulier à ceux de ma classe, c'est bête, mais à ceux de mon BTS qui, je sais, qui soutiennent un peu aussi les couleurs de la Grimdal. Et ça fait trop plaisir de voir des gens un peu plus la vie active, on va dire, la vie réelle, qui sont derrière les écrans et qui sont aussi derrière les couleurs de la Grimdal. Ça fait trop plaisir. Merci à eux. En tout cas, merci à toi d'être passé, d'avoir fait une réaction, une double réaction du coup. Une double interview. Et puis, merci aux équipes, que ce soit Grimdal et Foxhub pour double match de ce soir quand même. Deux matchs très plaisants à voir. Même si le premier score était sévère pour Foxhub, ils ont quand même proposé quelque chose. C'était pas une déroute totale, c'est juste... Oui, ils étaient motivés. Ouais. Deuxième map, ils étaient motivés à essayer d'attraper du pont aussi. Ah ouais, franchement, un point ça aurait pu sauver leur double confrontation, ouais. Mais ouais. En tout cas, merci à tout le monde d'être passé sur le live. On était quand même merci à toi de cast. Bah, merci à Modcast. Bah, merci à vous d'être là pour avoir du contenu, tout simplement. Moi, je vais vous laisser. Je vais peut-être remettre le résumé du Playday 3 parce que j'ai pas encore fait le 4, ni le 5 et le 6 qui va bientôt arriver. Il faut que je trouve le temps aussi à faire. Mais ouais, du coup, je vais vous laisser avec le résumé du Playday 3. Nous, on se retrouve peut-être demain, peut-être un autre jour. Je sais pas encore quel match mes prochains casts. On verra. J'essaie aussi de varier les équipes pour l'instant sur la phase aller. J'ai fait 25 équipes sur 40. On a eu deux disqualifiés. Du coup, t'as une des deux équipes que j'avais pas cast. Mais bon, on va essayer de tourner au max aussi. Je vous fais des bisous et je vous dis peut-être à demain. Allez, c'est parti. On va profiter de ces quelques instants d'avant-match pour revivre les matchs du Playday 3 castés sur ma chaîne. Et on commence sans plus attendre pour la division Major et le choc de cette poule opposant les AMX eSports Black aux Souls Earth eSports. En effet, le match du groupe A s'est soldé par une remontada des AMX. Menés sur le score de 5 à 2, ils parviennent finalement à renverser le cours du jeu en mettant 5 rounds de suite sur la carte de Clubhouse. Mention aussi aux deux équipes qui nous ont proposé un jeu très sportif et fort en rythme tout au long de ce match. Le Jackal qui arrive quand même à récupérer pas mal de bon timing et des erreurs. Côté AMX, 2v4 une nouvelle fois négocié pour l'AMX RS. Jésus qui va pick. Non, c'est Luffy qui va pick dans cette moto, qui va faire tomber un premier joueur, le deuxième joueur qui va tomber sous ses balles. 2v2, 15 secondes de la fin. Sky qui va drop sur site et pourquoi pas plante. Esco à la cover. Sky. Ouais, ça va être compliqué. On sait qu'on est la position de ce joueur en tunnel et Jésus, justement, il va aller tenter d'empêcher cette plante. On le voit pas. On va chercher Esco. Et il reste plus que Sky. 1v1 maintenant. À négocier entre Sky et Luffy. On va voir son arme. Non, Luffy qui va décaler. On l'a vu. Et Luffy, non, Sky qui va en terminer. Et on va prendre directement le break d'entrée de jeu pour les Soul Surfers. 2-0. Pour aller dire non et le détruire derrière Esco pour aller chercher un kill. Non, pour l'instant, on reste dans sa church. Et on va plante pour Luffy. On va plante Esco. Et il est condamné à exploit Jésus pour prendre pas mal de dégâts. Voilà la plante qui est amorcée par Luffy. On comprend pas réellement par où c'est arrivé. Il est haut pour faire tomber Jésus. Il est haut une nouvelle fois. Un beau profil en tunnel qui va te connecter quand même sur Drizzy. Esco pour aller repick dans cette longue et se faire sanctionner par Stein. Il est haut. Terminé par Zaiko. Et la victoire d'AMX sur cette remontada. 7-5. Allez, on continue sur le choc de cette troisième journée tant attendue qui a opposé les vainqueurs de l'édition Winter, Athen eSports face au Aoned eSports. L'équipe d'Athen qui continue sur sa belle lancée, allant s'imposer sur le score de 7-2 sur Chalet
une de leurs cartes fortes du moment. Et c'est une belle victoire qui va accroître leur confiance avant d'aller entamer la Gamer Assembly de ce week-end. Ah Jason, ils sont leur kitchen. Non, c'était joke. Une seconde, on se regarde dans le blanc des yeux, c'est compliqué. Schnowski justement pour faire tomber un joueur par la verticalité. Schnowski, une nouvelle fois pour faire un quad kill. Est-ce qu'on va aller chercher l'ace pour Schnowski? Ouais, si, on va clairement aller le chercher. Il faut prendre la formation. Non, Jason, qui va lui coller une belle tête. L'empêcher de faire ce, tout simplement son ace. Jason, 1v2, le joueur belge. Tu peux le faire. On va y aller. Les deux joueurs sont un peu plus loin. Est-ce qu'on va tenter la plante? On va quand même tenter la plante. Speedo. Et Yeboy qui va lancer le boss E4. Non, ça va pas connecter. Jason, la plante qui va réussir. Non, et Yeboy pour en terminer. Les Athènes. Qui sont sur le, leur seconde victoire dans ce groupe de LC. Allez, après la division majeure, on va passer en division mineure. Et on part directement dans le groupe B pour retrouver le match qui a opposé les Gen Z face à Team Solid. Sur cette rencontre sportive, on a eu le droit à un rythme endiablé des Solid sur Villa. Mais malgré ce gros tempo imposé par ces derniers, les Gen Z ont su rester strong et s'imposent sur le score de 7-5. Côté Solid, on va faire une attaque assez frontale. On a sorti aussi la Ying pour Kuda. Oh, est-ce qu'on va faire un push? Bon, on va y aller tout simplement, on va y aller. Frostmap qui va faire tomber directement GS derrière. On va mettre quelques balles. Akaoshi, pas du tout. Oh, Akaoshi au contact, ouais, il va aller chercher le smoke. Non, derrière Grid, pour se débarrasser dessus, Apollo. On va faire tomber GS à la smoke. Koda de l'autre côté pour faire tomber Moki. On est déjà au contact de ce BP. On avance très rapidement. Apollo sera mis sous grosse pression et non, on va reculer. En statue, on s'avance, on est déjà en astro, on s'avance, on est astro, on est très solidaire tous ensemble. 2v4, avantage numérique pour les teams solides, c'est aller vite d'entrée de jeu. Polo mis sous grosse pression, on plante pour Koda, on plante MTC, 1v4 est déjà condamné au clutch dès le premier round d'entrée de jeu. En moins d'une minute, on met direct le gros tempo pour les teams solides. On va revenir, ici, on va faire tomber la knock, non, et Mino pour en terminer sur TMTC. Oshi qui a envoyé son C4, qui a fait beaucoup de mal à celui-là, il me semble. On va s'avancer une nouvelle fois, on va s'avancer. Oh, la belle smoke qui va forcer le jeu, la rotation, non. Oh, c'est compliqué pour toi-même, tu sais. Mino, qui a eu le temps de reculer et de se mettre un peu plus safe. Koda, et c'est smoke. Oh, il est vraiment en contact. Et va se faire push. Et Chambon, pour aller récupérer Mino à la revenge, toi-même, tu sais, pour double revenge. Il reste plus que Kaoshi. 1v3. Et on va se faire push sur la gauche. Kaoshi, la plante qui a amorcé pour celui-là, qui est même terminé à l'instant même. Situation de retake pour cacher et de clash 1v3. On est derrière son chaîne. On l'a pas vu, si on l'a vu, on va tomber sous les balles de toi-même, tu sais. Des Gen Z qui vont réussir à conclure 7-5 sur ce match. On va chercher une petite interview. Et on finit maintenant dans le dernier groupe de 7 mineurs pour un match opposant les Polonais de Sky face aux Espagnols de Wacken Mixers pour le groupe D. Les Espagnols, pourtant favoris, sont tombés face à des Polonais très strong et très organisés. La rencontre s'est soldée par une victoire 7-4 à l'avantage des Sky Esports sur Clubhouse. Ouais, 5v5, personne en cache, du coup, X. C'est replacé en master. On est tellement agressif. Oh, mec, vraiment agressif. On a entendu la prise de drone. Oh, du coup, on va y aller, tout simplement pour Twix, qui va chercher une belle agression sur Ethan. Un peu naïf là-dessus, l'espagnol. Du coup, on n'avait pas de cover aussi, sur ses fenêtres. On va reprendre cette cache. Mikas pour reprendre la position, mais est-ce qu'on a une cover? Oh, on a Gorach. Oh, Gorach qui va se faire sanctionner justement par Twix. Twix qui va mettre un beau pré-fire sur cette fenêtre pour essayer de faire tomber Mikas. On va tenter au pistol et on va pas le presser à le faire tomber. Oh, non contact. From et Twix on fire. Oh, nous derrière pour faire tomber Gomez. Astro sur Yakimatis. Vieltos pour la revenge et Twix pour aller chercher Mikas. Les Sky ont remporté ce match 7-4. On va chercher peut-être une interview. Allez, c'est tout pour moi sur ce Rewind. On se retrouve sur les casts. Portez-vous bien et vivez 6.